avanti noi! Salve à tutti, messieurs, bonsoir à tous. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir Dim, bonsoir Alexandre, bonsoir H, bonsoir Pfizer, bonsoir Juan Bernardo, bonsoir Nicolas, qui doit pas être loin d'être notre 1100e abonné. Bonsoir à ceux que j'avais oubliés qui étaient déjà présents dans le chat avant. Bonsoir à tous ceux qui verront cette rediffusion, ou bonjour d'ailleurs. Salve a tutti, mesdames et messieurs. Épisode 10 de la Car Manager avec le SSC Bari. Objectif avec ce club qui vient de monter en série B, le faire monter en série A. On fait une saison et puis on passe à la saison, à la carrière manager principale de la chaîne. On devrait découvrir d'ici quelques semaines. Et peut-être qu'on y reviendra sur cette carrière avec le SSC Bari, parce que aussi à cause de vous, j'y prends énormément de plaisir, encore bien plus que ce que j'imaginais. Salut Zied, comment vas-tu ? Moi ça va bien les gars, vous le savez, quand je suis là, que je vous retrouve, c'est que ça va. Le SSC Bari, une bien belle équipe qu'on est en train de bien refaçonner, qui donne envie d'aller plus loin. Les derniers résultats sont plutôt bons, FIFA se met à jour et se peaufine tranquillement, et je commence à prendre relativement de plaisir. Ça commence à s'équilibrer un petit peu malgré les quelques soucis de défense. Les cracks sur YouTube, je vous sonde beaucoup ces derniers temps. Je vous pose pas mal de questions pour voir un petit peu si c'est mon ressenti, mon feeling, ou si on partage un petit peu la même vision des choses, notamment sur les problèmes liés à la défense et les grosses accélérations des attaquants adverses qui, au-delà d'accélérer fort, auraient quand même tendance à bloquer surtout nos défenseurs, ce qui est un petit peu problématique, vous en conviendrez. On a aussi un petit peu évoqué les nouveaux coups de pied arrêtés, les nouveaux coups francs. Moi personnellement, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Je m'y suis pas mal entraîné, je vous ai fait un tuto, donc j'ai eu le temps de voir la chose. Pour moi, ils sont beaucoup moins faciles à mettre, même si j'ai remarqué quand même que les extérieurs du pied passaient bien. En tout cas, selon les tireurs que l'on a, et là notamment avec le SSC Bari, où on a quand même des tireurs qui sont un petit peu en dessous de ce qu'on peut trouver dans les meilleurs joueurs, meilleurs tireurs de coups francs. Ça, c'est quand même plus compliqué, donc c'est vraiment intéressant. Alors ça commence, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Nico, tu adores mes vidéos, bah écoute, ça fait vraiment plaisir, je veux pas vous radoter sur la chaîne à chaque début d'épisode, mais faut juste voilà, se dire que là, ce que je suis en train de vivre, ce que vous me faites vivre, c'est assez fou. On a pris 100 abonnés en 15 jours en fait, quasiment. Donc c'est un dixième de ce que la chaîne a pris en un an. J'hallucine complètement, là on est presque à 1100, donc merci les gars, je vais tâcher de vous livrer encore de la qualité, tout en me faisant plaisir, en allant sur les choses qui me plaisent, et on reparlera de ça quand tout sera retombé. Les infos de la chaîne importantes qu'il faut savoir, c'est que la semaine qui arrive, vous aurez zéro live, parce que je ne serai pas du tout disponible, donc il n'y aura pas du tout de live. On se vengera la semaine d'après, mais par contre cette semaine, vous allez voir le planning des lives à venir pour la semaine qui arrive, donc, mais la semaine d'après. Donc vous aurez tout ça sur la chaîne, vous pourrez vous regarder pour être présent. Je pense que cette semaine de coupure un petit peu forcée finalement, sachant qu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, elle va être quand même bénéfique pour que tous ceux, parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup usiné, notamment dimanche dernier, je sais qu'on a fait un épisode en tout cas où j'ai fini très très tard, je me suis régalé, on n'était pas loin des minuit. Il va falloir peut-être laisser un petit peu de temps aussi aux gens de rattraper un petit peu tous ces épisodes, donc finalement cette semaine ça sera un petit peu la semaine de rattrapage. La saison avec le SSC Bari, elle regorge d'astuces, de méthodes,
qui sont mes méthodes, mes façons de faire. Ça vaut ce que ça vaut, ça a l'air de vous plaire. Je partage ça avec grand plaisir et ça continuera comme ça de toute façon. Écoutez, pour l'activité de la chaîne, c'est tout. C'est tout, j'ai pas envie d'en faire plus. Juste merci. Merci à tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Quand je dis bien longtemps, ça fait un an puisque la chaîne n'a qu'un an. Mais qui continuent à soutenir, à laisser des commentaires, à chauffer, à pousser les vidéos. Et merci à ceux qui arrivent là en dernier, c'est dans les derniers jours là, et qui sont à fond, qui donnent un coup de fouet encore davantage. On est en train de se créer une belle petite communauté qui aime le beau jeu, qui aime prendre le temps de faire les choses. Vous le savez, sur le chat ou globalement sur la chaîne, je m'embête pas avec les personnes qui peuvent faire perdre du temps. Je veux quelque chose de sain, quelque chose où on prend du bon temps. Et écoutez, à ce jour, c'est ce qui se passe. Donc tant mieux. Je vais lire un petit peu le chat parce que je vois que vous êtes chaud. Alors, Fraser, tu as vu ma carrière, Flav, ignore. Non, alors écoute, Fraser, le vrai problème que j'ai, Rwan, il avait dû te le dire, c'est que j'ai pas le temps de regarder du contenu d'autres personnes. Alors j'essaye de passer quand je peux. Sabri m'a dit d'aller voir impérativement la vidéo de Rwan. Donc j'ai regardé le passage où Rwan fait une très belle dédicace. Donc je ne peux qu'en retour, essayer de bon cœur, vous inviter, vous conseiller d'aller jeter un œil et plus si affinité sur la chaîne de Rwan. Vous aimez le beau jeu sur FIFA. Allez-y. Maintenant, Fraser, Dim, il y en a beaucoup ici qui stream également, qui font des vidéos sur FIFA 23. Moi, je suis pas sectaire. Comme je dis, tant qu'ici, j'aurai pas des gens qui vont en abuser, en profiter, j'ai aucun problème à laisser les gens venir parler de leur chaîne dans la mesure où ça prend pas plus de place que nécessaire. Ouais, j'estime que chacun est en droit de choisir le contenu qu'il veut voir et quand bien même ça ne serait pas le mien, et ben tant mieux pour la personne qui trouvera son bonheur ailleurs, il n'y a aucun problème. Moi ici je veux des cracks, puisque vous êtes auto-baptisé comme ça il y a maintenant un an presque. Et je veux des cracks qui aiment prendre le temps, qui aiment le beau jeu, qui aiment travailler les phases in-game sur la pelouse, comme les phases tactiques, comme les phases merchandising, préparation d'équipe, etc. Alors qu'est-ce qu'on nous donne comme commentaire là, vous êtes chaud. Il faut que je m'entraîne au coup franc. Ouais, c'est. Bon, ces derniers temps, j'en ai eu très peu, donc j'avoue que je dois baisser sévèrement de niveau. Je vous invite à aller faire les séquences d'entraînement, elles sont intéressantes. Pas les entraînements pendant les Car Manager, mais les jeux techniques, comme ils appellent dans le jeu, c'est pas mal. Merci, Rwan, de me dire que j'ai ce que je mérite, ça me fait très plaisir. Le chamois heurté, salut à toi, merci pour ton soutien aussi. Tu fais vraiment partie des mecs qui sont là, qui poussent les vidéos, ça fait très très plaisir. Ça va bien. Ça fait longtemps. Voilà, tranquille. H, moi, c'est les passes à 2-3 mètres qui m'énervent le plus et est devenu le plus compliqué. Il y a beaucoup de changements. J'avoue que ça, ce côté-là, je me plains pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements sur FIFA. Moi, personnellement, je le trouve bien mieux. Il y a un petit réglage défensif qu'il faudrait un petit peu affiner, mais je le trouve bien mieux. Rwan me dit pour le moment je galère à bien jouer car j'ai pas encore très bien le jeu en main. Voilà, c'est ça, c'est il faut un petit peu de d'habitude. Et là je vous dis, j'ai pas joué depuis le dernier live, donc ça risque de piquer un petit peu, mais on va aller voir ça tout de suite. J'ai des infos à vous communiquer, messieurs, des infos importantes. Alors déjà dans le chat vous avez un petit sondage. Moi je regarde les mises à jour, il y a une nouvelle mise à jour des notes des joueurs. Je trouve vraiment, surtout quand on voit un petit peu ensemble, du coup, on parle de plus en plus du Calcio, de l'Italie. Je pense que vous voyez les résultats du Napoli actuellement. Je trouve que vraiment les joueurs italiens, globalement, pour beaucoup, se font vraiment tailler au niveau des notes. Et je trouve que globalement, même les joueurs étrangers qui évoluent en Italie, certains se font tailler. Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. En tout cas, j'en ai envie, donc je pense qu'on en parlera à un moment donné. Pour ce qui est des offres de transfert sur le dernier épisode, j'ai eu une offre de transfert pour Gigliotti, qui est donc notre maintenant défenseur central remplaçant, hein, qui s'est fait doubler gentiment deux fois finalement, dernièrement par Lang. Mais c'est notre seul gaucher, donc j'ai dit non, on le vend pas, on peut en avoir besoin et on finira la saison avec lui. On a eu une offre de transfert pour Ferreira, mais je pense qu'on va le garder pour le faire progresser encore jusqu'à la fin de saison. De toute façon, on n'a pas besoin d'argent là, clairement maintenant. Il va nous rester 1 million, on a décidé de re-signer des contrats, on a décidé d'acheter des joueurs libres.
Antenucci était sur le départ, il allait partir. J'ai pris la décision, les gars, de le prolonger d'un an. Pour pouvoir moi-même choisir s'il part, pouvoir maîtriser un petit peu, peut-être récupérer un petit peu d'argent sur son départ et pouvoir maîtriser un petit peu ce qu'il fera. Et c'était quand même pas anodin. Et puis Mazota avait donc été vendu. Vous êtes au fait des derniers mouvements. Le dernier épisode a été assez prolifique puisque on est quand même désormais dans les places qui vont jouer les playoffs, c'est-à-dire les matchs de barrage si on devait arriver en fin de saison ni premier ni deuxième. Et vous voyez qu'avec 36 points, on a une petite marge sur Ascoli qui est quand même intéressante. 6 points, c'est quand même 2 journées d'avance. C'est quand même pas mal du tout. Ce qui est aussi vraiment pas mal, c'est que finalement, on est à 1 point du Genoa et de Perugia. On n'est qu'à 3 points du 4e et du 3e. Tout ça est quand même vraiment, vraiment pas mal, quoi. La deuxième place, elle est largement accessible. On n'est pas à 10 points du premier. C'est un palier pour moi qui est relativement important. Donc niveau classement, ça se porte bien. Ce soir, je vais faire un épisode qui se veut pas très long. Donc on part sur 3 matchs, peut-être fin de mercato, peut-être je garderai un petit morceau de mercato pour la reprise. En tout cas, on va jouer Cosenza, on va jouer le Venezia, Cittadella, et puis je pense qu'on s'arrêtera là, puisque à la reprise, on aura quelques beaux matchs, on se fera sûrement un épisode assez cossu, assez épais, on va dire. Donc voilà, on va simplement finir ce mois de janvier ce soir, ce qui va déjà nous demander du travail, puisque bah, vous allez voir les rencontres prévues. On a du beau monde avec Cosenza tout de suite. C'est pas anodin. L'équipe du Cosenza, elles sont pas loin finalement des places en playoff. Elles sont qu'à 4 points, donc autant dire que pour eux, la course, elle est encore totale. Ils sont 10 points derrière nous. On peut clairement les enfoncer et nous l'objectif c'est d'essayer de profiter d'un faux pas puisqu'on va jouer le Venezia après, d'un faux pas de Genoa, de Perugia éventuellement pour leur passer devant. Voilà messieurs, pour vous remettre un petit peu en ordre de bataille, en ordre de marche, on va aller préparer ce match face à Cosenza. Je vois que vous êtes chaud. Flav, c'est ce que j'aime bien, c'est ton jeu que j'approuve et qui me fait plaisir à voir, comme je te l'ai dit à chaque fois, mais ça me fait très 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 plaisir. Écoute, ce soir, je vais essayer de vous livrer du beau jeu. Ça me donne envie de travailler encore plus aussi ma vision. On pourra parler ballon parce qu'il y a eu des beaux matchs en Italie, il y a eu des beaux matchs en Coupe d'Europe cette saison, en Ligue des Champions notamment, avec un Milan qui a été assez faible mais qui s'est bien rattrapé contre la Juve, avec un Napoli qui est très chaud. Il y aurait pas mal de choses à dire. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir aussi sur ce que je peux faire sur FIFA. Donc, c'est très, très intéressant. Surtout la défense où je galère le plus. Je suis passé en ultime avec les sliders. Plus difficulté, tir, défense, passe. Je pense que je suis fou. Ouais, moi, ultime, j'ai abandonné l'idée pour le moment. Écoute, là, les sliders en légendaire, un peu boosté, ça... L'équilibre est bon. Donc, après, j'ai envie de dire, peu importe le niveau. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, le niveau, c'est... On joue. En tout cas, moi, je joue face à l'IA. Donc, ce qui compte, c'est le plaisir pris. Et l'année dernière c'était en ultime, là c'est en légendaire, ça m'empêchera pas de dormir. Le chamois qui nous dit Pfizer, moi je kiffe les carrières joueurs en temps normal, mais sur ce FIFA j'aime pas trop et je trouve qu'ils se sont trop éloignés du but de la carrière avec les trucs solitaires, ça j'aime plus. Ouais, c'est j'entends beaucoup ça en fait, je suis assez surpris, je pensais que ça plairait beaucoup. En tout cas il y a un gros travail qui a été fait, mais effectivement les carrières joueurs vous êtes un petit peu moins chaud. Pour certains, moi en tout cas je les trouve vraiment bien. Écoutez, Zia nous dit d'ailleurs, Rowan, durant l'épisode 2 avec Benfica, je place une petite pub pour ma chaîne, pour ta chaîne, comme on fait la même carrière. On voit Zia, on voit. Alors, j'ai besoin de beaux jeux car j'ai passé un week-end à regarder les lives de Dim et Fraser et niveau jeu, j'ai pas été gâté. Boum, ça c'est fait, ça c'est dit. Messieurs, on est parti. Alors, l'équipe du Cosenza, comment ça joue? Ça joue en 4-2-3-1, voire 4-4-2. Boutic, je connais pas trop. Durso, ça me parle. Kongolo, Voka, ça me parle pas trop. Corsi, je me rappelle qu'ils nous avaient vraiment embêté avec Rispoli sur leur côté droit. 8 tonnes, ça me parle pas. Panico, ça doit pas être tout jeune. Meroni, Ridjon, c'est assez connu. Matosevic, non, je pense que l'équipe, on peut la manger. J'ai envie, contre cette équipe-là, de commencer avec mon 4-3-3 à plat.
qui est un petit peu ce que je voulais faire au départ. J'ai envie de le relancer un petit peu dans cet épisode pour justement essayer de créer du beau jeu. On va voir si ça, passe, on va voir si ça, fonctionne. On a quelques nouveaux joueurs, donc alors faites-moi voir. Il est où notre notre camarade là, Daggerstall? Il est même pas sur le banc, c'est une folie. On va le mettre sur le banc, Daggerstall, parce que Guillotine, même si j'ai voulu le garder, il est quand même sur la descendante. Tanase voudra pas jouer pointe, mais de là à pas le faire jouer titulaire, c'est quand même compliqué. On a nos deux nouveaux qui sont là. Moi j'aime bien leur donner un petit peu de temps de jeu, voir éventuellement ce qu'on peut faire. Est-ce que Jamas pourrait faire ses débuts dans ce match? J'y suis pas du tout hostile. Fratali, il avait rien à faire là, donc dans l'absolu ça peut passer. Trezan Tenucci, ça sera Schedler qui va être sur le banc pour remplacer Tanase s'il y a besoin. Maiello, on va le garder. On part quand même avec une équipe assez forte. Daggerstall, je me dis que Zuzec, ça pourrait être l'occasion. Ça pourrait être l'occasion de faire jouer Zuzec. Polycarpou, on l'a déjà fait jouer une fois. Donc ça, c'est quand même pas mal. Salut Florian, comment vas-tu? Est-ce que ça va bien, mec? Si ça roule. Redim. Je me tâte un petit peu avec le jeune Zuzec. Tout vous dire. Et j'ai peur d'être. Là, ça fait déjà deux jeunes. On va pas s'emballer. Treza, il a 70. C'est un peu notre super sub. J'ai envie de laisser chez Dira. J'aimerais bien qu'il passe les 70 aussi. Tanase, il va falloir lui revoir sa place parce que sinon, il est pas content. Je pense qu'on va on le fera peut-être travailler pour être BU parce qu'il se pose des questions existentielles souvent et c'est dommage. Il va rester plein axe. On va le faire jouer en pivot. Interception agressive. Restez devant. Vega, je pense qu'on va également lui demander de rester devant. Comme Achedira. Comment ils sont là les types? Est-ce qu'ils sont prudents? Interception agressive. Vega aussi. Très bien. Gonzalez, restez aux abords de la surface, restez en attaque. Interception prudente. On va peut-être quand même le mettre en normal. Vers le centre, c'est parfait. Course équilibrée, rester au poste. Pas vraiment ce que j'aurais voulu pour la slow, tant pis. Fuentes, Ashoka, ça me paraît pas mal. Lang, Vicari, tout ça me paraît prêt à jouer. On va passer en pressing tous les instants, ça faudrait que je le modifie. La profondeur, on va clairement la monter. Par contre, on a vu qu'en étant très haut sur le terrain, on avait des bons résultats. Donc on s'y est fait. Construction rapide, passe directe. Ça, c'est un peu chaud, je trouve. On va passer en équilibré avec de l'appel de balle. La largeur, on l'a réduit un petit peu, histoire d'être plus homogène avec notre défense très resserrée. Par contre, on mettra collé à la ligne. Dans la surface, pas d'exagération. Sur les corners, pas d'exagération. Ça peut largement être un match piège, donc on va y aller en douceur. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Il faut que je pense à mettre collé à la ligne. Allez, on se lance, messieurs. Alors, H, c'est des extraterrestres, le Napoli Flow. Ouais, franchement, le Napoli, bon, tout à l'heure, ils se sont fait peur, hein, finalement. Ben, ça, c'était contre qui? Contre la Cremonaise, et ils se sont un peu fait peur. Il a fallu attendre la fin du match pour qu'ils gagnent 4-1, mais il y avait un but partout jusqu'à la fin du match. Mais en Coupe d'Europe, ouais, là, ils se transcendent, c'est vraiment beau à voir. J'avais une question, l'Inter n'a pas de troisième maillot cette année? Ah, si, c'est... Pourquoi que tu mets le doute, là? Quel doute tu me mets? Le maillot clair là qu'ils avaient, peut-être qu'ils l'ont pas encore sorti. Je sais qu'ils ont un gros problème avec Digital Beat là, leur sponsor. Donc tu vois Florian, faudrait que j'aille voir sur leur site là. Tu me poses une bonne question. Ah ouais Dim, là t'as pris une bastos dès que t'es arrivé. Pfizer, quand tu verras mon âge tu comprendras. Après normal hein, tu veux pas être mis les mêmes groupes que moi. Bim bim bim. Ça bastonne. Ziad, je t'avoue que je vends pas mal de joueurs car j'aime bien faire des effectifs à mon image. Pour le réalisme, j'en suis loin. Chacun voit le réalisme où il a envie, Rouen. D'ailleurs, le réalisme, c'est une option. Alors, messieurs, on va tout de suite aller voir ce que ça donne. On est dans leur stade olympique. Moi, je pense qu'on a des options si on est sérieux. Allez, coller la ligne de touche, ça, c'est donné. On va tâcher de vous livrer une belle partie.
Kari. Ouh, on aurait pu tenter ou réussir quelque chose de beau, mais c'est un peu l'inverse qui se passe. Attention de ne pas leur donner une première action trop facile. Allez Fuentes, allez Fuentes. Rispoli, je vous avais dit qu'il nous avait posé des problèmes sur ce couloir droit. Je crois que c'est le premier match retour. Ouh tiens, il a pris un pet sur le genou. Alors, je crois que c'est totalement involontaire parce que j'ai absolument pas vu. Là, Rispoli risque de courir un petit peu moins vite là. Je pense que ça devrait le détendre un petit peu. Il était parti pour nous embêter. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Changement quand même. Rispoli qui sort, Gozzi qui rentre. Je suis pas sûr qu'on y gagne d'ailleurs. Gozzi, c'est pas une mauvaise pépite. Bon mais messieurs, là ils prennent un pet d'entrée. On va pas se plaindre non plus. Hein. Ça peut peut-être être bénéfique pour la fin et la suite du match. La fin du match elle est encore loin. Ah, et là ça commence à tourner devant notre défense. C'est du oh là là, mais non. Qu'est-ce qui me siffle? Un penalty. Eh ben ça recommence fort. Déjà la passe pour moi, il y a 400 mètres hors jeu, mais bon, je sais pas comment il a réussi ça. Passe totalement dans le dos. Là ils sont deux, il me compte la main. Ouais, il essaye de se défendre. Tiens, le joueur surtout pour pas se prendre dans le nez. Bon, on va essayer pied fort comme d'habitude. Le match il commence bizarrement quand même. Hein. Ils ont un blessé dans les 6 premières minutes. On a un penalty. Enfin, ils ont un penalty. Ça pique un petit peu. Voilà, il tire plein centre. Et ils ouvrent le score, messieurs. Là, vraiment. Un match qui commence sans même qu'on ait eu vraiment l'impression qu'on a commencé à jouer au ballon. C'est dur. C'est aussi ça la série B. Les matchs atypiques, il y en a. Peut-être pas obligé de nous faire un hyper motion sur un penalty aussi basique, hein, plein centre. C'est vrai que je m'y arrête rarement. J'aime pas avoir le sentiment de me dire que j'aurais pu plonger. Donc je préfère plonger et quitte à me faire avoir, c'est rare que je reste les deux pieds plantés dans la pelouse. Et bien voilà messieurs, au travail, il faut remonter le score. On a l'habitude de courir après le score avec cette équipe. Allez Bota, fais parler. Lang qui fait une montée, moi je prends. Oh, Lang qui fait une montée, attention. Je sais pas ce qu'il lui a pris là. Notre jeune Hongrois, c'est plutôt un vieil Hongrois d'ailleurs, mais en tout cas il est allé sévèrement. Je nous sens relativement bien, mais je veux vous dire sincèrement que en termes de sensation de match un petit peu haché, on est en plein dedans là. On a du mal à s'élancer vraiment dans la partie. On est déjà mené au score, alors autant vous dire qu'il va falloir y aller. Jonah. Ah, il y en a un qui va dormir là. Il y en a un qui a pris une... Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, un beau coup franc, tiens, on en parler. Salut NLN, comment vas-tu? Est-ce que ça va mec? Ça fait plaisir de te voir passer sur le live. Est-ce que tu vas bien? On parlait des coups francs messieurs, je vais... Ben là, vous voyez, je suis bien rouillé pour le coup, donc on va tâcher de faire au mieux avec Bota. Et sa patte gauche. Il y a plusieurs options pour le jouer. Ok, il met un mec dans le mur. Bon, j'aurais tendance à vouloir le jouer un petit peu en ballon piqué, tout simplement. Ça fait longtemps. C'est pas très fort. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je l'ai un petit peu. Ouais, c'est un peu trop fort. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tiré. J'aurais, à mon avis, dû mettre le pied bien plus dessous. Là, il attrape quand même un peu trop du coup du pied et ça passe très loin. Quand on est très près des cages comme ça, c'est loin d'être les plus simples. Je pense qu'un extérieur en force, côté opposé, ça aurait pu le faire en vrai. Mais bon, trop tard. Allez, Vega. Allez, Shedira. Vas-y, Shedira. Petit ballon. En douceur de Shedira, messieurs. On peut faire quelque chose. Oh le Christie! Comment vas-tu Haïti? Est-ce que t'as la forme? Pas de soucis mon chamois. Je te souhaite une bonne nuit. Bien du courage pour demain, 5h. Ça pique, comme on dit. Bon courage à toi, merci d'être passé. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup mec. La bonne soirée, la bonne nuit. Ciao. Bah tu vois, ce but il est pour toi chamois. Que tu fasses de beaux rêves. Un petit but de Shedira. Allez messieurs, l'équipe en face de nous, je la sens pas du tout costaud. Ils nous ont fait mal sur un péno, bon. Mais sincèrement,
on se doit de faire quelque chose. Enfin, sauf si mes joueurs ils les empêchent de courir, bien sûr. Ouais, là, quand même, quand on reprend la manette après. Ça, c'était quand le dernier live là? C'était mardi, j'ai pas pu en faire jeudi, je crois. Ou c'était jeudi peut-être. C'était jeudi, le temps est vite passé. Mais là, j'ai vraiment la sensation que les défenseurs ils sont scotchés par terre. Hein. C'est lourd. Hein. Je fais des signes avec ma manette, vous voyez pas, mais j'essaye de lui dire vas-y, quoi, roule. Hein. Allez, Corsi, pour tirer ce corner. On va faire très 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 attention. Bota, c'est bien, fallait pas plus. Tanasi, on aimerait bien te voir davantage sur les prochaines relances. Là, mes joueurs ils montent beaucoup, alors que je pense que quand on a une touche aussi bas, ils devraient pas aller chercher à monter si haut. On va jouer avec Caprile qui va chercher Ashoka sur le côté avec Shedira. On fait se faire avoir. Bota avec Vicari avec Lang. Lang par-dessus, c'est très bien fait. Avec Laszlo avec Vega. Vega qui a du champ. Vega qui se met sur son bon pied. Ouh, il a cherché le plat du pied enroulé. C'était pas loin de faire mouche. En tout cas, la défense, elle s'est un petit peu dissipée. Dans mon pays, c'est la merde. Ça a été compliqué. Dis-nous tout, Christy. Akido, bonsoir à toi. Salut mec, bienvenue. Allez, on va tâcher de le tirer mieux. Un corner, c'est l'occasion facile à la 22e minute de prendre l'avantage et de se remettre là où on devrait être, à savoir devant dans ce match. Mais bon, pour le moment, on a déjà rattrapé le penalty, totalement injuste. Comme chaque penalty, j'ai l'impression dans ce FIFA. Ashoka avec Fuentes avec Laszlo, un peu long. Là, on est vraiment dans la verticalité là sur ces actions. Je pense qu'il va falloir essayer de piquer un petit peu plus sur les flancs. Bota qui se fait prendre la balle. Faut revenir, mon grand. Un petit peu de colère. Fait preuve de fierté. Allez, Bota. Voilà, c'est très bien, Bota. Là, t'es venu récupérer le ballon perdu. Oh, ce ballon profondeur, il est bien fait pour Shedira. Shedira qui peut peut-être prendre le large. Il a vu Tanasi au centre. C'est un peu long. Que c'est dommage. Beaucoup plus dans les pieds. Écoute, Aikido, ce qui compte c'est que tu aies retrouvé le chemin et ça fait plaisir que tu sois là. Après, il n'y a aucun souci. Live, pas live, rediff, peu importe. Ce qui compte c'est de prendre du plaisir dans la récré. Attention, on perd des ballons là. Un contre un. À se méfier juste parce qu'on sait qu'il peut y avoir des irrégularités, comme dirait l'autre. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu là par exemple. C'est un truc de fou. J'ai vu le président demande aide internationale. Ah Flau, t'en penses quoi du tirage des éliminatoires de l'Euro pour l'Italie? Je pense que c'est un sketch de se retaper l'Angleterre. Toi, qu'est-ce que t'en penses, H? Il voit tout. Je pense que c'est fou de tomber sur l'Angleterre quand même. Je me dis, le hasard, des fois, il est quand même. Oh là là, il s'est troué, Caprile. Oh là là, cette sortie sur le corner, elle était mauvaise. Et à la 32e minute, ça va nous faire très mal, ça. Ça va nous faire très mal ce but là. Parce qu'on était sur un petit rythme, on commençait à se remettre bien. À Caprile, c'est un jeune gardien. Il en fait très très peu des boulettes. Hein. Mais là c'est la sienne. Là, il démarre maintenant, un peu trop tard. Voilà, il se trouve complètement. Et là derrière, leur joueur est devant. Sur la ligne, Ashoka, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Ça c'est vraiment dommage. Ouais, bien messieurs. Là on est dans la sauce comme dirait l'autre. Allez Fuentes, faut nous vendre un petit peu du rêve, mon grand. Jonah avec Vicari. Bota. Le ballon progresse bien sur son offensive. Bota encore avec Jonah. Jonah qui va chercher Fuentes. Non, c'est Laszlo pour la tête de Tanasi. Quel arrêt réflexe de leur gardien qui viennent leur sauver la vie. L'Angleterre et même la Macédoine du Nord, mauvais souvenir, c'est pas faux. Ouais, la Macédoine du Nord, je pense que ça m'inquiète moins quand même malgré tout. L'intérieur du pied brossé, moi surtout les Anglais, ça me fait drôle, on n'arrête pas de les jouer en ce moment. Après la Macédoine, ça sera l'occasion de régler les comptes. Moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir l'occasion
remettre les pendules à l'heure. Après, si on se refait durité à la 92e minute contre la Macédoine du Nord, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, c'est bien pour Caprile. Ok, on relance. Allez, faut aller chercher Vega là. Avec Fuentes. Fuentes pour Laszlo. Laszlo, il a freiné. Il faut pas freiner, mon grand. Il faut pas freiner. Ah là là, Vega, je sais pas où il courait, mais il courait. Vraiment, je sais pas où. Fuentes, il a bien bloqué les passes dans l'axe dans un premier temps. Il a forcé à rester sur le côté. Ça nous a permis de revenir, nous repositionner. Ils insistent sur ce côté. Hein. Ils nous font mal. Quand ils sont dans cette position là, on sent qu'absolument tout est possible. Ils n'auront pas de hors-jeu. Impossible de dégager. Et c'est Caprile qui détourne. Messieurs, vivement la mi-temps, on est mené au score, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Kaiserslautern, on a réussi sur quasiment tous nos corners. J'aime trop ce nouveau système. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'ai pas vu ton vidéo sur la difficulté de l'arbitrage. J'ai pas fait encore celle-là parce que j'ai pas eu pu vraiment la tester. J'ai commencé quelques petits tests, mais ça viendra pas tout de suite. À vouloir sortir propre des fois. Allez, siffle la fin du sketch parce que là c'est compliqué. Là, la difficulté de l'arbitrage, je la trouve pas mal en fait d'origine. Après, j'aurais tendance à vouloir l'assouplir juste pour voir si ça nous siffle un peu moins demain. Mais je voudrais pas que ça parte non plus en bagarre générale sur le terrain, donc à voir. Bon messieurs, c'est un match, je trouve, où on est sur un faux rythme. C'est très très compliqué de les devancer finalement, et au score et dans le jeu, parce qu'ils sont en train de revenir tranquillement. J'aime pas du tout le message que ça envoie, donc on va tâcher de s'énerver un petit peu. On va verticaliser davantage. La largeur à 40, ça me paraît tout à fait plausible. On va juste monter d'un cran. Et peut-être même la ligne défensive, on va essayer de la monter d'un cran. Là, c'est à nous de rajouter de la pression, de rajouter de l'intensité. On fatigue nos défenseurs, peu nos attaquants, ils touchent pas beaucoup. Les milieux de terrain, ils relaient, mais ils pouvaient pas finalement pas beaucoup de ballons. Donc allez, il va falloir donner beaucoup plus dans cette deuxième période. En tout cas, pas attendre sans ces temps pour remettre les pendules à l'heure. Enfin, beaucoup de pendules à l'heure, hein, j'ai l'impression. Ouh, il s'est troué. Il a frappé. Et on va pas mettre personne devant. On a eu chaud, petit filet extérieur. Là, messieurs, je suis en apnée, là. Je suis en apnée complet. Ah, là, il aurait pu largement la mettre dedans. Je le comprends pas, ce match. Là, Massiano Corbara, il cherche les solutions. Alors peut-être pas rester ce 4-3-3, je sais pas, peut-être repasser sur notre 4-2-4. Hein. On sait qu'on a fait des merveilles avec. Hein. Fuentes, Laszlo, ça permute bien. Oh, la faute sur Fuentes. Oh, le rouge. Je pense que les arbitres, il y a moyen de les descendre d'un cran. Je pense que la faute, elle est costaud. Mais là, le rouge direct pour Corsi. Ouais, si, c'est vrai que là, quand même, il embarque... Il a embarqué quand même sévèrement. Écoutez, messieurs, peut-être le tournant du match. À 10 contre 11, il n'y a plus d'excuses. On doit remonter ces deux buts maintenant et rapidement. Allez, va falloir aller les gêner un petit peu là. Va falloir aller les gêner un petit peu. Ouh, le retourner peut-être. Là, c'était un bon ballon pour faire un bon retourner, non? On laisse pas partir dans le trou, s'il vous plaît. On va éviter de se prendre un rouge, mais en même temps, on va quand même monter un petit peu l'engagement physique là. Hummels qui part à Liverpool, et pourquoi pas, on dirait l'autre. Ok, c'est gagné, c'est pour nous, Ashoka. Vous voyez des trucs qui sont seuls à voir. Caprile, la belle sortie. Gêné d'ailleurs, là. Allez, Caprile qui relance. Avec Ashoka. Ashoka pour Tanase. Tanase avec Ashoka encore. Chedira, il est bien placé. Il est loin, il attente. De toute façon, il n'y a qu'en frappant qu'on risque de marquer. Sinon, il risque rien de se passer. Allez, Fuentes. Fuentes avec Vega. Vega avec Tanase, le petit ballon. Ouh, la bousculade. Là, pour le coup, il y aurait matière à discuter. Là, il y aurait matière à discuter quand même. Allez, il faut le descendre.
Panico, il faut le descendre. Vicari, c'est propre. Avec Fuentes. On y va. Jonah, sur le côté, à chercher Chedira. Chedira, s'il est pas hors jeu, il est pas hors jeu. Tanase, le placement extraordinaire de Tanase. Alors là, messieurs, je vous le dis, le placement de Tanase, ah, il est fier. Ah, il est fier de lui. Là, le placement est complètement fou et il a démarré au bon moment. Ça, c'est vraiment pas mal. La passe, elle est, pour moi, elle était limite trop tardive. Mais là, il a placement parfait. Appelle le balle pile au bon moment. J'ai même rajouté les mêmes pour que les prochains épisodes restent l'accélération. Ok, Juan. D'ailleurs, Flav, que penses-tu de Quentin Merlin à l'Udinese? L'idée a fait débat entre les gens qui me suivent. J'ai pas trop en tête Quentin Merlin, en fait, qui c'est là. Il faudrait que tu me remémores un petit peu. Pourquoi ça ferait débat? Pourquoi ce transfert ferait débat, en fait? Regardez-moi ça. Ça continue. Allez Ashoka. C'est pas le moment de faire de bêtises, c'est le moment d'aller marquer. Bota avec Chedira. Ouais, c'est bien, l'appel. Vas-y, tu l'as vu, Tanase. Fallait la tenter, cette frappe lourde. C'était là où il fallait la mettre. S'il fallait la mettre, c'était là. Voilà, il arrive à sortir une passe du futur. Peut-être... Mais non, pas Vega. Oh, il se trouve au démarrage encore. Caprile qui l'arrête, 68ème. Mon dieu que c'est dur. Dis-moi en plus, Yed, je réfléchirai à ce cas, je vois pas pourquoi. D'un côté, il y a ceux qui aiment beaucoup l'idée et ceux qui trouvent pas ça réaliste. J'ai pas en tête, en fait, ce Quentin Merlin, il vient d'où? Je l'ai pas en tête du tout, le Quentin Merlin. Là, ça me parle pas. Hein. Re, Fraser. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer là pour essayer de dynamiter Tanase? Il vient de marquer. Donc, d'un côté, j'ai pas trop envie de bouger. Je vois que Lang il fatigue un peu. On va faire entrer Dagerstal. On sait que lui, quand il faut rajouter un peu de physique, il répond présent. On va faire rentrer Treza à la place de Chedira, même si ça commence pas mal. Non, là j'ai beaucoup de mal à leur demander. On va exercer un pressing plus lourd. On va voir ce que ça donne. Tu vois, Fraser, la limite, elle est peut-être par là, en fait. Tu vois, Fraser, la limite. Là, elle est, à mon avis, elle est par ici. Nantes, très jeune joueur. Bah écoute, Nantes, ils ont peut-être besoin de se refaire un peu la cerise, d'aller chercher des sous. L'Udinese, ça commence à faire rêver. T'en es où ta saison? On est à quel moment de la saison, Zied? Je sais pas moi, H qui a de bons avis là-dessus, t'en penses quoi? Allez messieurs, nous on fait deux remplacements, l'occasion de prendre l'avantage c'est maintenant. Et sans tarder, oh là il la laisse tomber la balle. Et là c'est Fuentes qui part, attention parce que Fuentes quand il court, il y va pas pourrir, il est pas attaqué Fuentes, oh là mais ils m'ont laissé un boulevard, là, ils l'ont pas vu arriver le Fuentes des Bois qui frappe du gauche un petit peu à l'emporte-pièce j'ai l'impression. Fuentes il aurait dû s'appliquer davantage. Oh là 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 là, les passes lumineuses. Caprile qui a feinté la sortie, ça faut savoir le faire, il faut jouer petit tout. Allez la slow. Vega il a complètement arrêté sa course, mais Fuentes par contre n'a pas arrêté la sienne au deuxième, et ça c'est cadeau, c'est caviar pour Treza qui vient d'entrer. On la prend l'avance, il fallait le marquer celui-là parce qu'il y a le feu et ils sont à 10 contre 11, mais ça se ressent pas des masses. Premier mercato estival pour l'instant, c'est-à-dire là t'es au début de ta saison. Ouais, je sais pas, maintenant ils vendent un jeune. Je comprends ce que les gens veulent dire, dans le sens c'est peut-être un peu l'avenir de Nantes, après une belle offre. Salut Luca Tavares, j'adore ton réalisme, bah écoute, j'adore ce genre de commentaires, grand merci. On se sent dans la carrière avec toi, c'est incroyable. Écoute Luca, tu arrives là, tu me dis tout ça, j'ai envie de te dire, ouvre le frigo, choisis ta bière, mets-toi bien. Il y a Juan Bernardo qui gère le staff là, donc que du bonheur pour toi, grand merci. Et on se prend un petit avantage, écoute, pour ce beau commentaire, ce dernier but là de Treza sur un très belle action individuelle de Fuentes quand même.
Je te la dédie. Oh, cette passe de l'extérieur, je l'adore. Je la trouve très très bien foutue dans FIFA. Faut reculer, faut pas hésiter dans ce FIFA. Quand ils sont comme ça là, qui s'énervent, là, 10 contre 11, que t'as l'impression qu'ils sont à 12 contre 10. Ah moi ça dans l'axe comme on le laisse. Regarde-moi ça, il me le bloque mon joueur, mais faut arrêter quoi. Qu'est-ce qu'il me siffle là, il m'a fait peur là, qu'est-ce qu'il me siffle. Regardez le défenseur, il s'arrête là, on sait pas pourquoi. Il t'a dit veut jouer leur jeu, mais c'est. Il le voit loin quoi. Quelle limite, la limite de la pub pour les autres chaînes hein, les gars. Alors, comme je vous dis, je suis cool, hein, vous parlez de vos chaînes et tout, mais voilà quoi. En vrai c'est un très jeune joueur vraiment prometteur, il était quelques temps pisté par l'OM, après je pense qu'il peut soit exploser en Italie soit se ramasser. Ouais moi c'est pour ça, ça me. Je comprends les mecs qui se diraient peut-être que pour Nantes c'est un joueur d'avenir donc ils voudraient le garder un petit peu. Mais voilà quoi, le jeune il est appelé sur une équipe comme ça qui laisse sa chance. T'es beau taille il est chaud là, vas-y mon Bota, vas-y Bota. Oh Bota il était pour toi celui-là, Rouen. Le coup du cerceau, il était pour toi, mon Rouen. 83ème minute. Je vais encore faire pause au moment. Mais c'est pas grave. Là, on a de la fatigue cumulée. Il faut faire des choses. Fuentes, il est vraiment chaud. Tanasi, il commence à fatiguer. Là, en même temps, on a monté le pressing d'un cran. On va faire rentrer Canjiano. Tachedler, lui, ce qu'il veut, c'est être BU. Ils sont relous, les types. Hein. C'est des vrais danseuses étoiles. Hein. Shedler, si on lui demandait. Si on lui demandait de déborder dans le dos de la défense, agressif, il restait devant, ça serait peut-être assez fou. Par contre, t'as une idée de carrière FIFA. Écoute, putain, le sigle derrière là, Lucas, j'ai rien compris ce que tu m'as fait, mais c'est beau. Écoute, je vais faire des vidéos. T'en as une qui est sortie samedi où je vous présente l'Inter de Milan, le projet que vous pouvez faire. Et vous allez en avoir une tous les samedis si j'arrive à pas me croûter. Ça va me demander beaucoup de boulot, mais voilà, ça sera des options que moi je vous propose en tout cas en Italie. Flav, tu me dis si je me trompe, mais on dirait tu me supportes de moins en moins. Non, ça va Fraser. Ça va. Ça marche, Juan. Shedler, restez devant. Ça va, Fraser. Fraser, tu te lâches pas mal ces derniers temps, mais y a pas de souci, t'inquiète pas. Canjiano, Shedler, Treza, Dagarstal, un petit dernier pour la route. That is the question. J'aurais bien tenté le jeune Jamas, mais là quand même, c'est pas le match où on est encore trop bien. Peut-être Maiello, plein axe. Hein. Combien on est là? 84ème, ça passe vite. Hein. Allez, on va changer Fuentes. On a 10 contre 11, c'est l'occasion. On va faire goûter le petit nouveau. Jamas, mon petit, qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas? Ah, parce qu'il est latéral gauche, ça le fatigue. Hein. Bon, on va te faire travailler. On va te faire travailler, mon pote. Hein. T'affole pas. Alors Jama, rejoindre l'attaque, oui, interception normale, débordement, reste au poste, t'emballe pas. On te demande rien d'extraordinaire, on te demande juste d'apporter... Ben voilà, Fraser, impeccable, hein, tout va bien. Lucas Tavares dit, je voudrais une carrière avec vraiment beaucoup de challenges, genre en D2 ou un truc comme ça. Ah, en Italie, salut Footix. Faut pas Sunderland. Salut à toi Footix. Là franchement en série B je te proposerais bien Barry parce que je suis vraiment en train de surkiffer tout ce qu'il y a à faire. Palerme, il y a vraiment du taf. Parme, tu aurais Gigi Buffon dans les cages, on va se faire fister maintenant. Daggerstall, mais Daggerstall, il vient de nous sauver la baraque. Et attention parce que là ils sont en Transylvanie, on les a perdus. Tout ce que je vais faire est voué à l'échec, je vous le dis, parce que là ils ont mis le mode turbo, le mode turbal. Regardez-moi ça, mais c'est un scandale. Va leur en marquer un qu'on n'en parle plus. Allez, joue là devant. Va chercher Vega là-bas. Va chercher Vega, Treza. Vega il démarre plus. C'est qui? Ah, en plus j'ai même pas pu faire mes changements. 10 contre 11 les gars. À 10 contre 11. Regardez ce qu'ils me mettent. Regardez ce qu'ils me mettent quand même. Allez, cours. C'est bien Ashoka, c'est très bien Ashoka. On va y arriver peut-être comme ça. La spalle, ça c'est intéressant. Ça c'est des carrières intéressantes, il y a du boulot. Après, dans les équipes qui sont montées, voilà, tu prends Palerme, tu as du boulot. Moi Parme, je pense que c'est un super projet parce que tu pars de série B avec une équipe qui a quand même un gardien monstrueux. Quoi. Je veux dire, ils ont fait monter leur gardien d'ailleurs. Tiens donc. Allez Jamas, c'est ton premier ballon.
Allez, Jamas. Bah, t'as touché un ballon. Écoute, tu l'as sauvé. On pourra pas dire que t'as fait une mauvaise entrée. Mais voilà, en Italie, la Parme, je t'avoue, je sens bien. Après Pise, ça serait beau projet. Pise, c'est quand même une équipe qui a du charme. Qui tu peux jouer encore, qui serait pas mal. Après, t'as des équipes beaucoup moins connues. Il y a beaucoup de boulot. Hein. Là, tu vois, on joue Cosenza, Perugia. T'as des équipes comme ça qui pourraient surprendre et arriver en Serie A. En fait, tu peux pas conseiller une carrière. Faut que ce soit toi qui la choisisse. Sinon, tu ne prends aucun plaisir, ça sûr. Ouais, après, je comprends ce qu'il veut dire. Pfizer, peut-être, c'est le côté voir un petit peu qu'est-ce qu'on lui chante sur la carrière. Après, comme je vous le conseille, de toute façon, c'est aller sur Google et renseignez-vous. C'est à lui Tupac, mais bien sûr que ça va quand t'es là. Et toi, mec, prêt pour une nouvelle semaine? T'as eu FIFA alors, du coup, ou quoi là? C'était pas ce week-end que tu m'avais dit que tu t'allais investir? Comment il va, mon Tupac? Saint-Etienne, ah, Saint-Etienne, ça serait extraordinaire. Ça, c'est clairement un club français qui vaudrait le coup d'être remis au bout du jour. Bon, messieurs, on s'en sort bien. Un match vraiment pénible, hein. Un match difficile, faux rythme. On n'a même pas réussi à avoir la possession. Au Corbara, il se montre quand même pas mal. Hein. Ashoka, très bonne saison pour l'instant. Alors, écoute, Footix, Ashoka, je vous le conseille mille fois. Vous cherchez un latéral droit, il progresse vite. Hein. Il accélère fort, il défend bien, il attaque bien. Oh, il a toutes les qualités qu'on attend d'un latéral sur une défense à 4 en tout cas. J'ai visité avec Cagliari, car c'est mon club de cœur. Ça me fait mal de les voir en D2. Oh, Cagliari, tu peux y aller aussi. Hein. Cagliari, envie de revanche. Sardaigne, faut pas déconner quoi. Écoute, on était les meilleurs, mais on aurait pu le perdre ce match. Comme quoi, tu peux être le meilleur et perdre, hein, faut pas l'oublier. On a eu notre revanche. Ah, il fallait qu'on prenne une revanche en plus. Alors, dur de nous battre deux fois, on va leur dire. Je vais aller vérifier quand même s'ils nous avaient carrément battu. Il semblait qu'on avait fait un nul contre, non. Je savais qu'on donnerait tout, ça c'est sûr qu'on a une équipe qui va avec les tripes. Mais vraiment, tes carrières sont incroyables, je t'admire. Voilà, merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, les gars. Vous faites vraiment des sacrés compliments, quoi. Écoute, on y met du cœur, vraiment Barry, je kiffe. Tu te dis que tu joues au vaisseau spatial, troisième plus grand stade d'Italie. Tu vas regarder un petit peu, on a un club de mafieux. T'as voulu une petite histoire. Je sens que là vous voulez une petite histoire sur le Barry, là, sur le SSC Barry. Je vais aller vous chercher une petite histoire, messieurs, parce que je sens que vous êtes friands d'une petite histoire là. Juste, je veux voir Cosenza, Machali, qu'est-ce que ça avait donné là. Si je les retrouve. Ah non, ils nous l'avaient mis en zéro quand même. Ah, ils nous avaient taquiné le goujon, les types. Alors, messieurs, vous en voulez? Écoutez, on est dans une ville de mafieux. Faut savoir un petit peu dans le... Oh, le Flambax, ça a lu Flambax, les Krakos arrivent, là. Les anciens du gaz arrivent. Comment ça va, les gars? Les gars, allez regarder la vidéo de Fla, celle où il parle des projets en carrière. Et là, vous pourrez plus facilement choisir. Merci beaucoup, H. On a commencé avec l'Inter de Milan, les gars. Je vous l'ai décortiqué un petit peu. Il y a de quoi faire. Tupac, hein, j'ai 3 jeux à acheter. Flow, du coup, je vais les commander sur ces discounts. Tu m'étonnes. Je comprends. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, pour Bari, pourquoi ça me charme. Parce que c'est donc un club, hein, je vous refais pas tout le tableau, mais club du sud de l'Italie, proche de Naples. Le président, c'est le père du président du Napoli, Aurelio De Laurentiis. Donc faut quand même savoir qu'il y a eu des enquêtes ouvertes de la justice en 2011 qui ont révélé que lors de la saison 2010-2011, certains joueurs de Bari faisaient partie d'un système de modification du déroulement des matchs visant à s'enrichir avec des paris sportifs. Ça vous parle un petit peu là. Les condamnations qui en découlent pénalisent l'AS Bari à l'époque pour responsabilité avec la soustraction de 5 points au classement au début de la saison 2012-2013. L'équipe de Bari qui était endettée, donc les joueurs ils étaient en train de se faire du bénef parce qu'à mon avis c'était pas assez payé. Également en raison de la situation financière difficile des entreprises du groupe du président. Donc voilà, c'est le président, il a le club, il a des entreprises, etc. Donc le mec était dans le rouge de tous les côtés, visiblement un très bon gestionnaire, peut-être un très mauvais plutôt. Il a investi dans les jeunes. L'équipe joue 3 saisons en série B au cours desquelles les matchs à domicile, après une excellente affluence de spectateurs au cours de la période 2008-2011, enregistrant à nouveau une baisse, les supporters exprimant toujours le désir de changement de propriétaire du club, ce qui lui garantit les meilleurs scénarios.
Donc en février 2014, l'AS Barry a environ 30 millions d'euros de dettes. Hein. Donc là, grosso modo, le stade, il se vide. Les supporters, ils en ont ras-le-bol. Le mec, il veut pas lâcher l'affaire. Mais là, ils se mettent en auto-faillite devant le tribunal capital des Pouilles. Il est officiellement déclaré le 10 mars de la même année. Donc en fait, on a vraiment une équipe de mafieux. Les joueurs, ça date là, les gars, ça date d'il y a 10 ans à peu près. Hein. Donc il y a 10 ans de ça, les joueurs, ils trafiquaient les paris sportifs pour gagner du pognon. Le président qui avait sur place, c'était une fif, il faisait n'importe quoi. Et ben voilà, quand on s'intéresse à tout ça, en tout cas moi, vous voyez, je me dis, le SSC Barry, c'est un club qui a un charme, qui a... Bien sûr, je cautionne pas du tout ces choses-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un club qui a du caractère, il y a des supporters, c'est un peu des fous furieux face aux Napolitains. Donc voilà, ça donne quand même envie de faire quelque chose avec ce club. Je pense toujours aux supporters, quand même. Je pense qu'un club, c'est des supporters. Retrait de l'offre, tant mieux, parce que de toute façon on comptait pas le vendre, donc c'est très très bien. Ça c'est fait. Allez, un petit entraînement et on va avancer. Alors qu'est-ce que ça nous dit là sur le chat? Il a pris un coup de vieux Corbara Flau, non. Ah là, mon Fraser, là on a un Corbara. Après vous savez, moi mon coach c'est Massimiliano Corbara, mais en fonction des projets, des équipes, je le change. Hein. Je le change des fois un jeune, des fois un plus vieux, etc. Et là je voulais pour une équipe qui arrive en série B, qui veut directement monter en série A, je voulais vraiment le mec expérimenté. Donc j'ai joué la carte du vieux. Mais là oui, effectivement, là c'est du vieux Massimiliano Corbara des bois. Mais bon, il est performant quand même. Hein. Tout ce qu'on lui demande. Shedler, il est chaud. Malamou, on va essayer de... J'essaie toujours de garder un petit peu mes joueurs à niveau quand même. Ça peut être pas mal. Lucas me dit, franchement, la patience que tu as pour tes carrières et ton réalisme, c'est vraiment fort. On est immergé dans la carrière et ça, c'est rare, donc bravo. Écoute, moi, c'est vraiment ce que j'aime sur la chaîne. Ce que je voulais vous partager, c'est que je vois des choses hein, sur Internet, sans regarder en profondeur. Je vois ce qui se fait et c'est carrément pas ce que j'aime. C'est-à-dire faire 25 carrières dans la même saison, à fond la caisse. Chacun fait ce qu'il veut, attention, je vous dis, c'est pas mon truc. Je dis pas c'est pas bien, je dis c'est pas mon truc. Donc voilà, je sais que Fraser, par exemple, il simule les matchs, etc. C'est pourquoi pas. Moi, c'est pas mon truc. Là, vous voyez, par exemple, les entraînements, je me dis, on a perçu des nouveaux joueurs, on va essayer de les mettre à niveau pour pouvoir les faire jouer. Donc Zuzetch, je veux pas trop qu'il baisse, donc on va continuer à l'entraîner. Polycarpou, il est plutôt défensif, on peut l'entraîner aussi. On a notre petit Jamas, là, on lui a fait toucher un petit ballon, on le chauffe aussi. On veut garder Guidiotti en forme, vous voyez, là, je pense à tout ça, en fait, pour me dire, il n'y a pas que les pépites que je veux booster, mais globalement je dois faire en sorte d'avoir un effectif qui soit prêt, et on sait jamais les blessures, etc. Même si je l'ai sévèrement baissé, je pense que les blessures, j'ai baissé la gravité, je trouve qu'il y en a peu finalement dans ce jeu, donc peut-être que je les augmenterai. J'aime bien quand il y a des bobos, en fait, quand le mec il est absent un match ou deux, c'est vraiment intéressant, je trouve ça force à jouer avec le banc. Mais tu vois Lucas, si ça te plaît, ben moi je suis content. C'est-à-dire que juste avoir trouvé des gens qui ont le même plaisir que moi dans la façon de jouer, tout est là, tout est dit. Je suis refait. Neves, on l'entraîne. Lui, pour le coup, on veut qu'il progresse parce qu'il peut nous rapporter des pépettes. C'est malheureux, hein, mais on a un club quand même. On doit penser aux finances. Hein. Treza, il a 93, il a 98. Allez, Treza, on va le chauffer. Treza, faut le faire jouer aussi. On a quand même pas mal de concurrence hein, sur le banc avec Treza. Alors je lis un peu vos commentaires parce que ce soir vous êtes au top niveau, ça envoie du lourd. Non, Juan, pas encore, je vais commander mes 3 jeux après le live. Ça se voit, t'es sur Wikipédia Flow. Ouais, non, même pas, c'est surtout que j'ai récupéré des textes à gauche à droite et je vous avoue que sur les copier-coller j'ai pas été bon sur cette affaire là. Mais y a rien de tel de toute façon, hein, Wikipédia, internet globalement, Wikipédia faut se méfier un peu quand même. Ça peut rester parfois orienté, donc faut vérifier les sources du moins. T'es là, j'aurais dû regarder là, on va faire autre chose, on va faire comme ça. H, oui j'ai vu, mais c'est des vidéos où il va proposer des projets de carrière, exactement, c'est ça Tupac. Puis lui mettre le mulet, ça serait parfait. Ouais, faut pas exagérer quand même. Faut pas exagérer quand même, un peu de respect quoi. On va. Faut pas modifier là. Pot. Et entraînement ici. Voilà. Ok, un suivi, faut que ce soit cohérent. Les mecs, faut qu'ils puissent dormir, le classement. Et c'est bon ça les gars, on passe devant le Genoa, le Venezia est tombé de son piédestal, ça bouge.
Chaque journée, on pourrait miroir ce qui se passe. On est qu'à la 22e journée, ça n'arrête pas. Messieurs, on va jouer le Venezia, adversaire direct. Si on les passe, on peut venir ex aequo à Parme. Avec Parme, ça serait juste fou. Ça serait juste fou. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore, Unberno? Tout pas que tu me diras, me proposera que je les teste, s'il te plaît. Là, j'ai mis en ultime. Ouais, ok, ça c'est pour les réglages, c'est bien. Exactement, Rwan, il t'explique tout ce qui se passe au club. Ouais, voilà, l'idée Tupac, c'était vraiment de... On me demande souvent quelle carrière tu me conseilles. Du coup, j'ai dit, voilà, je vais vous conseiller des carrières managers, comment je vois les choses. Et je laisse vraiment sur le mercato, tout se passe en commentaire si les gens veulent des idées, etc. Et j'ai eu des discussions, ça m'a fait très, 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 très plaisir. Donc voilà, le plaisir est là. Bon, j'étais parti manger, mais j'ai écouté ce que vous m'avez dit sur le sujet. Quentin Merlin, vous m'avez conforté dans mon idée. Ben, écoute, Ziad, fonce, de toute façon, si t'y crois, faut y aller. Fraser simule, car il sait pas jouer, c'est normal. Bim, ça c'est reparti. Alexandre, bonjour, salut à toi. Princesse, salut, ça va bien et toi? Ouais, faut que je dise mesdames et messieurs, oui, ça faut que j'y pense. Ziad, ton idée, n'écoute pas les gens. Non, mais après, voilà, il demande un petit peu pour prendre un peu la température. Ça va bien, Alexandre, je te remercie. Ça va, les gars, ça va, ça va. Je suis la copine de Nico. Alors lequel? Parce qu'il y en a. Ah, c'est le Nico Gaming, c'est ça? Je crois qu'il nous en avait parlé. Lucas Tavares, moi j'ai du mal avec les menus cette année. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que ce FIFA, c'est un début d'un gros tournant. On va voir ce qui va se passer la saison prochaine. Par contre, Flav, la descente aux enfers pour le Venezia. Ouais, là, ils prennent cartouche sur cartouche. D'ailleurs, contre Bari, ils ont pris une déculottée. Ils ont pris une déculottée propre, nette et sans bavure. Et franchement, Bari, tu peux pas dire qu'il... Je veux dire, c'est archi mérité, quoi. Donc, que du bonheur pour moi de voir Bari faire ça. Après, le Venezia, je suis effondré parce que je pensais pas ça. Je les voyais rester en Serie A. Ah, ils sont loin du compte, hein. On va pas se mentir, hein. Alors, qui on va chauffer? Nicolas Boss, ok. Et des Nico, il y en a des Nicolas, des Nico, j'en ai plein. Et ben en tout cas, ton chéri, je peux te dire qu'il me soutient à bloc et ça fait vraiment plaisir. Et il t'a fait de la pub d'ailleurs, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait t'avais une chaîne aussi. Donc écoutez, je vous laisse gérer ça sur le chat, messieurs. Est-ce qu'on va entraîner un petit peu sur les passes? Oliakou. Il faut essayer d'entraîner nos petites recrues là. Des fois qu'on puisse les faire jouer, moi ça me plairait bien. Dribble, défense plutôt. On va lui mettre un entraînement un peu sucré salé là. Ouais, il va transpirer le jeune. Il a voulu venir. Allez, viens, Jamas. Bim, cours. Iliotti à 87. Daggerstyle à 91. Et le petit Soucech. Le faire jouer le petit Soucech quand même. Dès qu'on arrive à le faire jouer un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer l'affaire là? Et sur les coups de pied arrêtés, non? Penalty, tiens. Ça va taper dans la précision du joueur. Danazé, on veut Shedira et Shedler. Shedler au final. Après, est-ce qu'on pourra le garder, Shedler? Je sais pas, on pourra pas garder tout le monde sûrement si on veut. Si on peut faire des grosses recrues, messieurs Vega il partira. Donc à un moment, si on a de la recrue de compétition, il y aura. Si, le jour où je fais la saison 2, il y a de fortes chances qu'elle arrive, je vous le dis. Il y aura du mouvement, hein, ça c'est quasi sûr. Hein. Ok, voilà, ils ont pas de chance parce qu'on les reçoit chez nous. Pourquoi ils nous marquent Stadion Angduk? Je l'avais renommé. Saint-Nicolas là. Personnaliser club. Voir un peu là, tu me mets le doute là. Stade. On peut pas voir. Attends, je l'ai renommé. Hein. Je l'ai renommé, j'en suis certain. Donc bon. Ok, comme ils veulent. Messieurs, on va y aller. Mesdames et messieurs, pardon, on va y aller. Tranquillement. Calendrier. Oh, on fait ce match, on fait l'autre d'après. On aura passé une soirée tranquille. Ça sera un épisode plus court, mais. On va faire ça propre, il faut battre le Venezia, clairement. Alors devant, là, ils ont leur machin pas trop prononçable là, qui nous avait, semble, posé des problèmes. Johnson de Vries, on les connaît bien. Ferdinino, Buzo, Krinoj, on connaît très bien ce milieu de terrain. Svoboda, Modolo, on connaît aussi. Zampano, ça c'est une belle recrue côté droit. Ullman, Djuronen, bon.
Le 4-3-3 m'a pas franchement fait rêver, donc je pense partir plutôt sur du 4-2-4. Est-ce qu'ils ont des beaux maillots là à nous servir? Parce qu'avant c'était le club avec les plus beaux maillots de la terre. Ouais, bon là ça colle un peu. Hein. J'ai envie de les voir jouer autrement parce qu'autrefois on les avait fait jouer en noir. Si on les faisait jouer en blanc comme ça, il est classe aussi, il est assez classieux. Juste nous on va se mettre en rouge du coup. Et puis ça peut être joli. Et oui, on le sait que ton chéri joue FA23, mais attends, il passe souvent, dit. Il passe souvent. Hein. Là on est en train de jouer FA23. Ça m'a fait ce problème là aussi, j'avais mis les noms de tous les stades en Allemagne et je joue quand même avec des stades par défaut. Regarde là, il y a bien marqué Stadio San Nicolas. Je pense qu'il y a un tableau qui doit pas se mettre à jour. Et là c'est bien corrigé. Dim était dans le coin Alexandre, tout à fait. Alors. Antenucci chez Dira. Je pense pas qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire un Tanase. Schedler, Shidira, il va faire banquette, il nous fait des entrées fracassantes à chaque fois. Gonzalez, Bota, je vois pas trop la slow quand même ces derniers temps, ça m'aurait tendance à me gêner un petit peu. On va se garder Bota en super sub. Derrière c'est costaud. Chino peut jouer des deux côtés, Candiano, pourquoi pas Antenucci, Bota, Maiello. Egerstal, il peut jouer 6. Vous savez quoi, on va tenter d'avoir notre Zouzetche des bois. Vous pouvez le faire jouer un peu, faut à chaque fois essayer d'inclure un jeune dans l'effectif, ça peut être quand même pas mal. Yes, Frances, tout à fait. Moi je suis là mais je parle pas pourquoi Alex, il bosse le père Dim. Voilà pour faire semblant. Moi l'équipe je la trouve bien, le 4-2-4 on le connaît, on connaît nos qualités. Est-ce qu'on va y aller? On va y aller agressif, on va les presser sévère. La profondeur on va monter à 85, de toute façon on sait ce que ça donne. Construction rapide possession c'est bien, on va resserrer un petit peu. S'il y a trop d'écart entre votre largeur défensive et votre largeur offensive, sachez que passer d'une phase offensive à défensive, la transition elle peut être pénible. Alors, quand vous avez une très bonne équipe, on peut se permettre. Là, vous voyez, avec une équipe plus faible, j'ai tendance, comme jouer une largeur à 15, parce que clairement ça passe dans l'axe dans ce FIFA 23 sévèrement, je préfère réduire un petit peu la largeur offensive. Donc 40, ça ira bien. Tout ça, on laisse. Hein. Écoutez, tout le monde est content. Schedler, Tanase, ça vaut le coup d'essayer. Vicari prend le brassard. Moi, tout ça, ça me va. Messieurs, on va y aller sans pitié face à ce Venezia FC qu'on a pratiqué la saison dernière. Je vais boire un petit coup en regardant rentrer les joueurs. On peut dire que nous sommes clairement en mode partie d'assaut. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Ah, les joueurs du Venezia qui arrivent au San Nicolas. Ah, faut y rentrer dans le vaisseau spatial. Hein. Là, le chaudron. Il recommence à prendre du poil de la bête. Hein. Oula Gabriel, tu passes tard, c'est rare de ta part, c'est cool. Comment vas-tu? Vous avez le sondage quand même en haut les gars. Ceux qui pensent bien FIFA, si vous avez un avis. Moi je trouve que les joueurs italiens se font saquer et globalement les joueurs en Italie. Oh Vega il a son tifo. Le numéro 20, c'est sans doute ces 6 derniers mois, je vous le dis clairement. Même si c'est le top 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 player. Merci beaucoup Princesse, c'est vrai que j'oublie de le dire, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Vraiment, 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 je suis pas un bon youtubeur, je pense pas à le dire. C'est... Vous le faites de toute façon et plus vous le ferez. On a la meilleure attaque, Tanase, c'est un gros cartonneur. Et n'oubliez pas que laisser un like c'est totalement anonyme, donc même ceux qui veulent rester discrets sur internet, un like c'est un pouce bleu, c'est un chiffre, mais on sait pas qui, donc n'hésitez pas. Le père Gabriel est-il en forme? Merci beaucoup Gabriel pour ton soutien là ces derniers jours, t'as été encore extraordinaire. Je parlais de vous là, les cracks du début là, vous êtes monumentaux les gars, vous me catapultez. Je sais pas ce que vous voulez faire de moi les gars, mais vous êtes en train de me faire cogiter. L'idée me trottait déjà dans la tête, mais quand j'ai découvert ta chaîne, j'étais fixé. Par rapport à quoi Zia, j'ai pas suivi. Je me suis fait deux gros lives ce week-end, ça me manque déjà. Ta carrière avec Barry m'a convaincu. De partir avec un club de seconde division en live serait cool, c'est pour ça que j'ai pris Kaiserslautern. Ah mais
Après, tu croises les gens qui correspondent à ton projet, donc voilà, faut. Ici, il y a des puristes, hein, je veux dire. Hein. Tous les gens qui sont là, ils aiment la difficulté. Hein. Ah oui, non, mais H, là, on a pris 100 abonnés en 15 jours, c'est un dixième de ce qu'on a pris en un an. Je sais pas ce que vous me prévoyez, vous avez des plans pour moi, visiblement. Attention, parce que c'est parti ici. Johnsen, l'Islandais, on le connaît. Pas se laisser perturber. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Ils sont arrêtés, les défenseurs s'arrêtent littéralement, quoi. Et on s'en sort bien. Allez, Treza. Heureusement qu'on est en 4-2-4 et qu'on va vite les faire saigner. Treza qui lance le père Ashoka. Oh, Ashoka, il a fait un contrôle de fou, il s'est surpris lui-même. Peut-être au deuxième, là-bas, c'est bien fait. Le défenseur qui s'est replacé, ça revient plein axe. Et la première véritable occasion, elle était assez impressionnante. Elle était très très bien construite, là. Oh, c'est ce que je veux, moi. C'est des mecs qui se lâchent dans la construction. Va falloir le poser. Ashoka encore. Il est partout, les gars. Joueur acheté, Ashoka. Fuentes de l'autre côté, c'est pareil. Même mayonnaise. Oulala, que c'est mal lancé. Oulala, que c'est mal lancé. On va pas touché avec la main, là. Allez, revenez. Ce 4-2-4, il est assez fou. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas opté pour du 4-2-4. Faut croire que la configuration actuelle de ce FIFA s'y prête vraiment, surtout avec une équipe un peu faible. Alors certes, le milieu de terrain, on l'abandonne. Mais on préserve une défense à 4. Ouh, il fait chaud. Tout en ayant quand même une attaque ultra dense. Et là, on le voit, hein, là, ça court plein axe. Je l'ai très très mal joué. Je me concentre, messieurs, dames. Je vous laisse les clés du chat. Voilà. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a rien. Il est physique, c'est tout. C'est un mec costaud. Ciao, princesse. Merci du passage. Merci beaucoup. Faites-lui une bonne soirée de notre part. Merci bien. C'est fou. J'ai dû le sauver. C'est qui ? Et salut à tous. J'ai voté. Oui, ils se font laminer, les joueurs italiens. C'est déjà like. Et oui, mon Flau, j'étais avec mon chien dehors. Il a trouvé un hérisson, alors j'ai dû le sauver. Cartoche, il allait dégoupiller le hérisson, c'est bon ça. C'est cool, mec, c'est cool. Allez, à la 13ème minute, on aurait dû ouvrir la marque. On aurait dû tout de suite prendre les devants, c'est pas fait, mais ça peut vite arriver. Attention, les renforts arrivent. Fuentes, il est chaud dans cet épisode, je le sens. Ça fait plusieurs montées qu'il nous offre, et de qualité. La vista, mais les passes, il y a plus que de la vista, les mecs ils sont dopés, quoi. Là ça va tomber là. Déposez-le les gars. Pas un seul défenseur ne veut y aller, c'est hallucinant. Hallucinant ce qui se passe avec les défenseurs. Et je me prends encore le premier but. Et ça me gonfle, on dirait une Milan à cette saison, quoi. Ils peuvent pas démarrer sans se faire mener au score, sauf ce week-end. Oh là 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 là, mais c'est fou ça. Il a raison, Gabi, pour défendre son domicile. Oui, mais il arrive à s'en défaire, ça va, les mecs ils sont englués, quoi, Enfin bref, je vais pas refaire un ralenti. Et ils ouvrent la marque sur la pelouse du Saint-Nicolas, ça va avoir le don de me mettre de bonne humeur. On va y aller là, on va leur rentrer dans le lard sévèrement. Allez Fuentes, vas-y, voilà, tu l'as trucidé là. Vas-y Fuentes. Vas-y Fuentes, ils en veulent pas. Voilà. La slow pour une frappe de mule. C'est ça qu'on veut. Il faut envoyer. Ah non, mais les défenseurs ils plient. Dans l'autre sens, non. Dans l'autre sens, les défenseurs ne freinent pas. Nous là, on a. Si tu fais pas reculer, faut pas même pas jouer le hors-jeu. En fait, il faut reculer de 50 mètres dans tes 5-50 et Treza. Qui la joue bien avec Ashoka, la belle. Ashoka, il a vu un truc loin. Les gars, avec Fuentes, ça s'est pas mal fait. L'entrée dans les 16, elle était bonne. Allez les provoquer. Des ballons bien pénibles dans les 16, il y a que ça. Attention, parce que là, ça va tomber. Là, ça va tomber. Gonzalez, je viens de lui faire traverser le terrain. Il a fait une diagonale. Mais il y a que ça. Regardez. Il me maintient complètement. Je peux rien faire. Oui, il y a une faute. Ashoka qui a réussi à défendre. Treza.
Oh là là, il a tellement regardé devant qu'il a oublié de conduire sa balle. C'est une bonne séquence, une séquence complètement pipée encore. Vicari, Laszlo, sur le côté avec Vega. Allez Vega, il y a du monde là, il y a du monde de l'autre côté, ça court vite. Oh là 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 là, Ullmann il s'est... Eh ouais, c'est jeté un peu fort j'allais dire. J'allais dire quand même, il y a eu un petit peu d'accrochage là. Il y a eu un peu de petit bois sur le côté. Il y a un petit coup franc qui est pas trop dégueulasse, on va essayer de mettre ça dans la boîte. Faut mettre le danger dans les 16. Attraper ce but honteux. On va t'en rouler un brossail. On est bien dessous mon grand. Mets-moi ça là-bas. Allez Ashoka. Il est pas assez fort, il est pas assez fort. Je voulais la jouer un peu court mais pas à ce point là. Ashoka il manque de pêche. Ça va descendre. Oh là 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 là. Les passes qu'ils sont capables de délivrer, mais c'est le futur quoi. T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as le droit à rien là. Allez Capril, on y va, Laszlo. Avec Lang. Lang qui monte. Il a pas peur. En appui. Treza. Allez Treza. T'as des options mon grand, on te loupe pas. T'as nasé. C'est bien fait, c'est bien fait. Dans la boîte, un peu long mais peut-être pas trop. Kay Singler, le père Laszlo là, physiquement, on a connu plus d'attaques. Hein. Allez Vicari, il faut revenir dans les 16. Ashoka, il se fait saigner. Ullmann, et face à Vicari, mon dieu, mais ils ont... Il y a l'impression que les mecs, ils ont deux jambes de plus. Hein. Et ça... Voilà quoi, quand ils décident d'accélérer, t'es à la ramasse, quoi que tu fasses. Hein. Ils vont me trouver un pénon, vous allez voir. Allez Laszlo. Ah, le match est serré, ça c'est clair. Jonah, on va chercher avec Schedler. Allez, Treza. C'est vrai que tu cours vite, mon grand. C'est le moment de prouver. C'est bien revenu dans l'axe. On va chercher Laszlo. Laszlo qui peut rentrer. Laszlo, c'est bien fait. Wok, c'est bien servi. Wok, c'était bien servi pour Vega. Là, c'est le caviar, le café crème et la soutane. Il y avait la totale. Fais le beau, mon grand. Ah, il est souple quand même, le Mexicain. Je l'aurais pas tenté, ça. Et le Stadio San Nicolas qui se réveille, messieurs. Parce qu'ici, c'est Barry. Ça, faut bien le comprendre. Ici, c'est Barry. Pouh, il te lui a servi un caviar, Tanasi. Il a dû entendre dans son dos le duel Vegas. Qui arrivait lancé à Mac 10. Ah, Massimiliano, il se dit, ça y est, là, on est à la reconquête, là. Désolé si j'écris mal, je me suis pris quelques whisky. Oh là là, il est chaud le père Gabi le dimanche soir. Il se fait plaisir, mon Gabi. Mais c'est bon, ça, Gabi. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. Oui, il fallait que ma femme me dise d'arrêter, sinon je bois ça comme le sirop. Le père Gabi se fait plaisir. C'est ça qui est bon. Allez, attention. Johnson, à mon avis, on va les mettre en colère. Ah ben là faut y aller, hein. Là faut y aller, direction de ton gardien en fait. Pour défendre sur ce genre de ballon, c'est direction de ton gardien. Parce que de toute façon, ils vont où ils veulent. Vas-y Caprile, regardez-moi ça. Le mec il vient de te sortir une... Je sais pas quel joueur fait ça en vrai. Là faut me dire les gars quand même, hein. Y a un problème, non? C'est qui le mec? Le mec est inconnu, c'est Johnson je crois. Là, il m'a fait le truc le long de la ligne de touche. Le gardien qui lui saute dans les pieds, là, il va l'effacer. Alors qu'en vrai, normalement, le gardien, il va tout alpaguer, mais bon. C'est bien joué, mais voyez, on l'a vite payé. Icari. Et le pire, c'est que les mecs, ils nous pressent. Hein. Allez, Ashoka, viens. Allez, viens, monte. Change de côté, fais monter l'autre côté aussi. Vas-y, Vega. Voilà, avec Fuentes, il est chaud. Allez, Vega. T'as déjà ouvert le compteur but? Oui, on va décaler. Oui, on va le redécaler avec Vega. Oui, on le met sur le point de pénalty. Yeah, ça va encore être un score de baby-foot, messieurs. Le père Treza, il a veut sa place de titulaire. Super sub, il aime bien. Et le San Nicolas qui vit les émotions folles. Le chaud, le froid. Attention aux économies d'énergie. Oh. Ah là, il a bien redonné point de pénalty. Eux, ils se dégarnissent aussi sévèrement plein axe. Hein.
Teza, il s'est lancé là. Oh, pourquoi il a pris un coup du pied, une espèce de saucisse. Bon, le gardien, il est. Le gardien, il est à perpète. Hein. Le défenseur est en retard. Ronaldinho est sur la pelouse. Ben, c'est un peu ça en fait. Ça m'a rappelé Ronaldinho ou un certain Gigi Okocha à ses grandes heures. Bon, oh, le père Scordafi. Ce soir, il y a tous les cracks. Vous me faites un grand honneur. Les cracos. Salut Scordafi, comment ça va? Et Flau, chez Dira, je sais pas comment son nom s'écrit. Ouais, c'est ça, sauf que c'est 2D et 1R, mais c'est pas loin. Mais il fait un début de saison incroyable, 8 buts cette saison. Ouais, non, il est complètement fou. Et comme je vous dis, donc c'est Italo-Marocain, marocain, il a choisi la Maroc en termes de sélection, il a été convoqué. Hein. Donc, non, chez Dira, c'est la pépitos. Hein. J'adore le jeu de Flau, c'est jamais de gris-gris, c'est toujours des touches de balle. Une, deux, quelques dribbles, mais sans plus, ça c'est du collectif. Et je l'ai dit au chat, mais je bois souvent à 33 ans. T'as raison. 33, c'est très bien. Écoute, de toute façon, les dribbles, je veux m'améliorer un petit peu. Je travaillerai ça là, à l'occasion. Mais je veux pouvoir sortir le bon dribble qui va bien. Mais c'est clair que voilà, dribbler toute la pelouse pour aller marquer, c'est pas mon délire. Et si en tout cas on fait 2-2 face à une équipe qui veut rien laisser parce qu'elle sait que si on les bat, on leur passe devant, potentiellement on se rapproche des places de qualification automatique, c'est-à-dire la première et la deuxième place. Ils sont pas contents, on a Bota sur le banc, il y a moyen de faire quelque chose, on va maintenir la pression, on va repartir comme ça messieurs. Messieurs, dames, pardon. Allez, on y va. Laszlo, ouais, ils attaquent, ils sont plein axe, beaucoup, Ashoka. Ashoka Fuentes me font plaisir parce qu'on a vraiment des défenseurs latéraux comme je voulais. Regardez le Fuentes, il est là, il est devant Vega s'il faut. Allez Vega. Allez Vega, fais sauter. Il est la tête. Oh Tanase. Tanase il est costaud. Treza avec Ashoka qui rentre à Mac 10. Continue ta course mon petit. Mets-leur la presse. Il va se croûter. Eh oui, il va se croûter. Et... il n'y a pas hors-jeu. Oh, pour là, c'est trop de collectif, tue le collectif. Avant, enfin, bon, faut tenter de se retourner, une frappe en pivot, faire quelque chose. Regardez-moi ça. Oh là, c'est Ashoka qui a accéléré. Vous sentez les différences de vitesse des fois qu'il y a, c'est quand même mon fou. Gabriel, le Gabi Fuentes. Il est là, le Gabi Fuentes. Allez, vas-y, va te faire plaisir. Je sens ta envie. Je sens ta envie, Gabi. T'as envie. Il était chaud. Fallait le laisser. Il avait les chakras grands ouverts. La sortie de langue. Ouh là, je lui ai arraché la hanche si je le prends. Là, j'ai taclé comme un cochon. Faut dire ce qui est. Allez, tout le monde dans les cages. De toute façon, t'es obligé. Sur ces phases de jeu, t'es obligé de mettre tout le monde dans les cages. Fuentes, il est déjà là. Eh oui, il y a une faute sur Fuentes. Ouh, attention, l'arbitre, il est pas content. Il est capable de sortir le rouge. Hein. On le sait, la Lega est chaude. Lille lance. Qu'est-ce que ça donne, Scordafi? Ça va bien, moi, écoute. Avec du recul, vous le trouvez comment FIFA? Franchement, je le trouve vraiment bien. Je le trouve vraiment bien. Ça me frustre ce problème de défense. Parce que passer ça, c'est vraiment du bonheur. Il y a trop de buts, il y a ce problème de défense, tout simplement. Si t'enlèves. Bon, après les gardiens, c'est les serpillères. Hein. Je suis en slider 100, je l'avais pas fait. Hein. Je l'avais jamais fait de ma vie. Et les gardiens, c'est les serpillères. Mais bon, une fois que t'as mis ça à 100, si t'arrives à peu près à défendre, t'en prends un peu moins. C'est vrai que t'en marques un peu trop. Hop, dans la boîte, c'est compliqué là. C'était compliqué d'aller la contrôler. Vas-y, Mézi, le test où? Mézi, le test où? Voilà, ça va partir à Mac 10. Hop. Heureusement, c'était hors jeu. 60e minute, on prend feu un peu quand même. Hein. On prend feu quand même. Le match est très très serré. 1-0 pour Lille. Ouais. 1-1 entre la Roma et Lecce, c'est la mi-temps. La Roma, c'est un client quand même. Mais faudrait juste que les mecs ils arrivent un jour à se sortir vraiment les doigts parce qu'ils ont un effectif de malade. C'est un peu stressé, je trouve. Allez, on fait rentrer Bota. Le match le mérite. Hein. Il va, à mon avis, dynamiser le tout. Il va donner beaucoup plus de vivacité technique qu'un Laszlo. Quand même plus dans l'impact physique. Hein. On va passer en pressing constant, on va se crever mais c'est pas grave. Il faut y aller, on va écarter davantage sur les côtés je pense. Je pense que ça peut valoir le coup. Coller la ligne de touche, Vicari.
Lang qui va chercher Fuentes, toujours dispo. Fuentes est toujours disponible, regardez ça, on a écarté le stade en deux. On les a écartelés, on les a écartelés, la passe est sublime, Scheidler. Pouh, là, là, il a tenté la petite tête lobée, Botta qui vient de rentrer. Lodietti, s'il nous le met celui-là. Ah mais c'est vrai que pour pas qu'il y ait beaucoup de buts, il faut serrer les fesses, hein. Les 0-0 c'est compliqué à en faire. Ah ouais, il y a des contacts de fou, Rouen, hein, tu as tout à fait raison. Je lis le chat en même temps parce que ce soir vous êtes chaud. Très très intéressant. Allez, 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 reviens la chercher la balle, reviens la chercher la balle. Allez, Vega. Moi, c'est ça que je trouve qui manque, c'est la vivacité des défenseurs. Aujourd'hui, t'as des défenseurs en vrai qui courent plus vite que des attaquants. Et en fait, là dans le jeu, t'as l'impression que quand t'es défenseur, t'as un gros problème, quoi. Un gros handicap. Hein. Bonoli qui va nous la mettre dans le dos. Ils se mettent à l'aise là, ils se mettent à l'aise, ils font ce qu'ils veulent. C'est quoi ça? Ça n'ira nulle part. 66ème. On a du banc, on a de la possibilité. Botta vient de rentrer, on va lui laisser juste voir un petit peu ce qu'il peut donner. Jonah qui va chercher sur le côté, ça c'est pas mal fait. Avec Ashoka, Ashoka avec Treza. Treza qui la donne, c'est bien fait. C'est bien fait pour Tanase. Ah là là, il a essayé de se mettre un petit peu d'air. Attention, ça c'est bien fait pour Vega. Vega qui tente une frappe lourde. T'es fermé quand même. Botta. Botta il est là. Treza. Treza. Jonah. Avec Botta. Attention, il va être sur son pied gauche. Il peut délivrer un bon centre. Le centre est beau. Oh, la tête de Scheidler, elle vient de taper la barre. C'était très très bien joué. C'était très très bien joué. Oh, le Xerox, comment il va? En flamme nationale, il me dit. Est-ce qu'il va bien, le père Xerox? La Pfizer, il y a que le 19, ok, le 16. Tu joues en quel niveau? Salut, Nadanada. Écoute, je suis en légendaire avec des sliders un peu améliorés pour essayer de rendre tout ça un peu plus réaliste, peut-être. Mais bon, là, il y a quand même beaucoup de buts, je trouve. Bon, après, c'est quelques réglages à peaufiner. La Nazi, il galère un petit peu. Je vais faire entrer Antenucci sur ce match. Je pense que ça peut être bon. Zuzet, Jagerstal, je pense qu'on fera deux changements dans la défense centrale. Là pour moi ça fait Antenucci, Botta, Gandiano. On va voir ce que ça donne. Je viens de me rendre compte que le stade de Central Coast Mariners D-Australienne est collé à la mer et c'est magnifique. Ça va bien Xerox, je te remercie. Ça c'est beau, même le stade du Venezia déjà il est beau à voir. Et ouais, il y en a certains, quasiment les stades sur l'eau, quoi. Que le Xerox est prêt pour une nouvelle semaine parce que le week-end a été bon. Merci beaucoup Nada, merci beaucoup, c'est très gentil. Écoute, la saison dernière sur FIFA 22, j'étais en ultime. Je me manque un peu du niveau, comme je dis, je suis vraiment à dire prenez du plaisir les gars et moi je cherche à le prendre. Alors, en ultime j'avais des paramètres qui étaient, j'avais tout baissé pour à un moment je préférais revenir à du légendaire et pour moins avoir à toucher les sliders en fait. Trop les toucher, je pense pas que ce soit bon quand même. Allez, vas-y, mais colle-le, essaye de prendre la balle, essaye de faire quelque chose. Regardez-le, Ashoka, il démarre pas, il ne court pas, Ashoka. Là, il est arrêté, alors que il a l'avantage, hein, je veux dire. Le ballon est en l'air, il peut passer du bon côté du défenseur, en tout cas, c'est ce que je lui demande. Regardez ça, regardez l'accélération. Le jeu en panique, le jeu en stress, Connelly. Ils vont jouer la main. Capri, il est... De partout, moi ce que je veux c'est une victoire. Alors allez, on s'y colle. Au boulot messieurs. Scheidler avec Treza. Treza qui revient dans l'axe avec Botta. Botta peut-être pour Antenucci qui vient d'entrer. Fais-toi plaisir. Pouh, c'est quoi cette frappe? Je crois que j'ai sévèrement ripé sur la manette en vrai messieurs. J'étais tellement chaud pour lui envoyer une rasante à l'ancienne qui a été remplacée par cette frappe surpuissante. Regardez. Là mon défenseur cherche qu'une seule chose, c'est le point de pénon. Surtout pas chercher autre chose. Si t'es près de l'attaquant quand il reçoit la balle, il te fait un vieux contrôle en pivot, fin de l'histoire. Allez Lang, c'est pas grave, tu la remontes la balle, c'est pas grave, t'es défenseur central, mais ici tout le monde se donne. Nous par contre, si on va accélérer, il se passe rien. Antenucci, le frein à main qui est serré à 10 crans. Et allez, on se fait encore déborder. Ouh, et allez, un péno, mais bien sûr, c'est la fête foraine, mais bien sûr. Mon Dieu, que c'est énervant, mon Dieu. Oh, le scout, ça va ou quoi? Un peu trop rapide, souvent trop rapide ces week-ends malheureusement.
Là, c'est épuisant. Allez, j'y vais pied fort là et joli crampon, monsieur. J'y vais pied fort et je pense qu'il va tirer comme une mule en vrai, mais calme, calme. Oh, le sort parce qu'il a tiré pied fort. Les 83e, ça c'était un avertissement sans frais. Ils veulent nous pourrir la soirée, ça c'est à peu près sûr. Bon, là c'est vraiment pas le match pour faire jouer Zouzette, je suis désolé. On va faire entrer Shedira à la place de Shedler. Parce que Shedira il claque quand il rentre. On va faire entrer Daggerstall à la place de Lang. Vicari, même fatigué, il envoie sévèrement du pâté. Et puis on va finir à fond. Hein. On peut gagner, hein. J'ai tout fait là, je vérifie juste quand même. 1, 2, 3, 4, il m'en reste un quand même. On le fait pas maintenant, on le fera jamais. Hein. Il m'en reste un petit tout. Puccino, c'est le moment de faire entrer Puccino. Fuentes, il est à 74, il est vraiment chaud. Shoka un peu moins. Après, Fuentes est un peu plus fatigué que... Fuentes, il a beaucoup donné à faire entrer Puccino. On peut plus faire de remplacement. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Daggerstall, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait là? 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai foutu là? C'était inutile, j'ai dit. Hein. Et ben alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis perdu là. J'envoie 4 de remplacement, je suis complètement cuit ou quoi? En Tenucci, on avait qui au départ? On avait Shedler avec notre Roumain. Qu'est-ce que... J'ai un truc que j'ai pas vu là. 1, 2, 3, 4. Alors là les gars, dites-moi si vous voyez, mais je comprends pas où il est mon quatrième remplacement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Carrière en D4 anglaise, nous dit le scout. Ah, bien qu'il y a déjà la 3ème division italienne, ça serait beau. Je comprends pas où j'ai laissé mon remplacement de plus là. Non, je ne comprends pas. Reza Vega, ils ont commencé, donc j'ai changé mes attaquants, mais j'ai pas fait de. J'ai pas fait de saucisse, je peux devenir fou, je peux devenir taré. Bon. Faire comme ça, comme dirait l'autre. 83e minute, 2 buts partout, c'est le moment. Regarde le Cooper Stadium d'Adélaïde, perso, j'adore, l'une des meilleures ambiances Australie. Les scores d'affi, il connaît, mais c'est une bible. Allez, Shedira est rentré, Shedira va marquer, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Buzio, vous connaissez aussi cet animal là. Ça, c'est un beau jaillissement, ça. Un beau jaillissement. Ullmann, allez, recorner. Qu'est-ce qu'il nous siffle? Une main, il voit des mains partout. Je vais baisser les arbitres d'un cran, je pense. Je vais les mettre en plus cool, on va voir ce que ça donne. Dégage, dégage, dégage. Je ne veux plus le voir ce ballon là. Et chez Dira, coup de boule, coup de boule. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais laisse l'avantage alors, on était reparti avec le ballon là. J'ai bien fait, généralement. Et tu peux modifier. Et tout à fait. Alors. Buzio. Treza, la belle montée. Vega qui a changé de côté. Antenucci. Ils ont tous les contre pour eux. Ça va être compliqué cette fin de match. Ça va être compliqué. Ah, bah oui, s'il y a un but là, c'est la pliure, comme dirait l'autre. Hein. Ah, ils nous laisseront plus le ballon là. Là c'est, ils sont en mode. C'est de la folie là. Oh là 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 là, mais l'autre il a pas suivi, mais. Ouh, qu'on s'en sort bien, mais qu'on s'en sort bien. Oh là 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 là, ouais, Buzio, super joueur. Carton jaune en plus pour Daggerstall, mais allez vous faire soigner tous. Ça part en sucette, messieurs, il va y avoir bagarre. Il va y avoir bagarre, ils veulent pas qu'on passe devant. Et là ils le savent que. Sur la saison là. Allez, c'est bon. Gustavo qui vient nous trucider pendant les arrêts de jeu. Le jeu qui a accéléré, messieurs, mais à un point, vous imaginez même pas. Ouais, c'est bon, on va de faire le cake. Là, en vrai, il ferait pas trop les chauds parce que le stade là, il leur tombe des scooters dessus. Là, ils prennent des Vespa dans la bouche. Hein. C'est complètement fou quand même. Oh
là 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 là, tête plongeante et sublime. Faut dire ce qui est, la tête plongeante et sublime. Gustavo Desbois là, le défenseur il se met sur la ligne, il sert à rien. Caprile, tu veux qu'il fasse quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est plié, on le sait. Antenucci, Chedira. Chedira encore. Qui va me laisser une dernière action à le risque et péril. Je la mets au fond, je vous le dis de suite. Hein. Je le dis de suite. Hein. Oh, il la rate pas celle-là. Vas-y, mais casse-lui la jambe. Voilà. Ouais, c'est bon. Mon dieu, ça m'a rendu fou quoi. Ça m'a rendu fou. Ça me pourrit un petit peu les matchs. Je suis désolé, ta jambe tombe la veste. C'est beau, après le but est beau, mais vraiment, 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 tu sens qu'ils accélèrent fort, fort, fort d'un coup quoi. Bon, écoutez, messieurs, voilà, hein, la défaite. Hein. La défaite, elle fait mal, celle-là. Celle-là, elle fait très, très mal. On avait le match même en main à un moment. Est-ce que j'ai manqué de concentration? Peut-être. En tout cas, on laisse passer une sacrée belle occasion de se mettre bien. Et je crois que du coup, on se met relativement mal. On va pas aller faire d'interview d'après-match parce que sinon, je vais insulter un journaliste. Ça ne sert à rien. Pas les remises ont gagné. Ah, le classement ça va piquer. Le classement ça va piquer. Ou qu'on s'en sort bien. Ou qu'on s'en sort bien au classement. Juste le Genoa qui nous repasse devant. On s'en sort très 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 bien. Parce que derrière ça gratine un peu. On s'en sort bien. On s'en sort bien à 6 points du deuxième. Bon. Là on a plus de 10 points d'écart avec Palerme maintenant. Mais je suis déçu. Offre de transfert pour Ferreira. Intéressé par l'achat de Ferreira. Ouais, mais comme il donne. Là, je vois des chiffres. Napoli, 1,6 million. J'ai envie d'attendre parce que si là, il vaut 1,6 million, de toute façon, ça nous sert à rien tout de récupérer des sous maintenant. La saison prochaine, non, on va le garder. À rejeter, hein. On n'a pas besoin de pognon, de toute façon on va finir comme ça, donc moins qu'ils aient une offre pour des remplaçants. Bon, ça m'a un peu écœuré là, on va pas se mentir. Flavois ce rythme, il te faudra vite un modo, non? Pourquoi? Tout le monde est gentil là, tout le monde est sage. Moi je vois que des gens très très agréables, très très disciplinés. Tu peux mettre les arbitres sévères. Ouais, tu peux les mettre en sévère, très sévère, ou souple, très souple. C'est pas les noms exacts, mais c'est grosso modo ça. Mais là, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, je serais plus pour les mettre un peu plus cool. Après, là, c'est pas tellement ça qui me travaille, moi. C'est pas tellement ça qui me travaille. Là, ce qui me travaille, c'est vraiment le... C'est trop en défense. Là, le jeu qui se met à accélérer d'un coup, enfin, c'est dur à gérer quand même. Je veux dire que j'étais pas assez concentré, on va le prendre sur soi. On va fixer un entraînement ici, un repos là. Les mecs sont bien. On n'a pas eu beaucoup de chance. On va rester là-dessus. Manque de chance. A plus Gabi, bon courage pour ta semaine. À la semaine d'après, il n'y aura pas de live cette semaine. Alors occupe-toi bien de madame. Entraînement. Parce que quand madame demande, il faut y aller. Alors qu'est-ce qu'on va se faire là? Ouais, du coup, Angiano il a pas trop couru, on va l'entraîner. On va s'entraîner, parce que toi on aimerait bien pouvoir compter sur toi davantage. Malamou. Je sens que je vais de moins en moins compter sur lui. Je sais pas pourquoi le Polycarpou je le sens plus, je le sens mieux. Est-ce que le 4-2-4 était vraiment la meilleure solution? Vous voyez, je ressasse un petit peu là, mais je me demande. Je me demande si le 4-2-4 c'était vraiment la meilleure option. Thales, Tanase, Ashoka, ils ont crevé les types, ils ont donné. Chino, ok. Treza. Ces entraînements, faut pas galoper un peu sur les côtés là. Diamant, allez. Toi. Salut Lutrox, comment vas-tu? Bonsoir à toi, est-ce que le week-end a été bon? On va se finir avec un truc un peu violent sur les défenseurs. Allez,
réserviste entraîné, je crois, lui. Ok, ça c'est fait. Donc, Zouz Edge 94, ça c'est bon. Guillotine, faut le remettre d'équerre. Dagerstall, au final, il a pas beaucoup joué. Oh là là là. Ils en s'en sortent bien. Si tu veux, Flau, je suis vraiment le pro des compos. T'as qu'à dire que je suis une chèvre aussi. Sacré toi. Je suis le pro des compos. Ça va les chevilles, Fraser, quand tu t'assois, tout ça, t'as pas de difficultés. Alors, je peux rien faire de mieux. C'est dommage, la Suisse, c'était une belle destination pour toi. Europe centrale, Autriche. Clause de libération acquittée pour Maiello. Ok. Ils ont payé 2 millions. Bon, ben voilà qui nous règle le problème. On va vraiment être lâche sur le milieu de terrain, les gars. Là, s'il s'en va direct, ce qui va être le cas, on va perdre Maiello. Ça va être compliqué de chez compliqué. Allez, quand même, jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a pas un 100 club ou deux qui serait disponible. Agent libre. Juste pas prendre des mecs trop âgés, puisqu'on a essayé de rajeunir un petit peu l'équipe. Là, on peut aller jusqu'à 33 ans, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on aurait là ? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Je commence à les connaître par cœur, j'arrive à savoir s'il y en a qui ont a des nouveaux ou pas. Quoi. Lui, il était pas lui. Est-ce qu'il vaut ce check hein, c'est un gardien de but. C'est l'histoire. Ok. 3 millions, on va voir s'il part, hein, parce que peut-être qu'il faudra faire quelque chose alors. Mais non, mais vraiment, même Dim le dit, je l'aide et il gagne, genre je te dis quel compo prendre selon les matchs. En fait, je t'ai déjà expliqué, Fraser, c'est je viens vous montrer ce que je fais en fait. C'est ça le truc ici. Ça va très bien et toi, je suis sur ma carrière et oui, plutôt bon week-end. J'ai tourné des vidéos, j'ai travaillé mes carrières et j'ai bossé mes cours. Enfin bref, un bon week-end. Ma part et toi, bah écoute, week-end assez chargé aussi. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent avec la pêche. Ça fait toujours plaisir, Lurox. Entraînement. Défense, on a dit qu'on était pas mal. On va faire un entraînement un petit peu global pour les attaques là. Le titulaire, faut qu'on les mette chaud. Fuentes. On va faire ça avec Fuentes aussi. Gota 87. Shoka. Et ça c'est pas mal. Derrière, on va entraîner défensivement. Quoi contrer, interception. Perception c'est important. Vicari on le veut chaud. Langue aussi. Dagerstall est déjà à 96, ça c'est quand même pas mal. On va chauffer Gonzalez défensivement, ça peut vraiment nous servir. Et puis on va se faire encore quelque chose d'un peu global. Ouais, sur les dribbles, ils ont calmé le jeu quand même. Sur les passes, qu'est-ce qu'on a ? Passe vers la cible. Ça peut être pas mal. On va améliorer. Améliorer un petit peu ce niveau là. Alors la slow chauffe chez Dira, pourquoi pas. Sur le banc, Puccino, Treza, ça va. Maiello, on va attendre de voir s'il reste ou s'il part, parce que plutôt d'entraîner un mec qui se barre, sait-on jamais. Alors j'ai envie de savoir s'il part ou pas là. Eh ben il s'en va Maiello, c'est ça, t'as pris la clause. Ok mec, pas de soucis, tu vas me forcer à aller faire un tour sur ce FIFA à 22h10, mais c'est pas grave. On va regarder ce qu'on avait prévu parce qu'on avait quand même des joueurs. Là, ça serait bien d'avoir un renfort, sinon ça risque d'être. Après, le 4-2-4 risque d'être beaucoup joué parce qu'on a des capacités en 4-2-4. Allez, c'est pas grave, on va pas pleurer. Aiello est parti, beaucoup de départs cette saison, 2 millions. Moi je pense que c'est bien, pourquoi il me met F ? Non, moi je pense que c'est bien, 2 millions pour ce joueur. Voilà, les mecs sont très heureux. Écoute, Maiello vendu,
Voilà, conseil d'administration, vous allez avoir 1,5 million. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 2,5 millions de budget là ou. 3 millions de budget. 3 millions, on doit pas avoir grand chose en soute, messieurs. Vous ne m'en voudrez pas. Je vais chercher 2 minutes ce qu'on aurait. D'abord, en fait, avant d'aller chercher, qu'est-ce qu'on avait nous déjà sur la liste des transferts? Parce qu'on avait quand même une listasse assez copieuse. Gomez. Eh. Ah, tu prends Sébastien Gomez, t'es costaud, hein, valeur marchande 2,9 millions. Hein. À mon avis, on va être ric-rac pour l'acheter. Je. Bon. Ah, on peut peut-être le tenter, ouais, 4 millions 4, dommage. Colo Colo, ça me plaît parce qu'on est sur l'italien. Donc. Et est-ce que si on le prend et on essaye de virer un joueur en même temps? On essaye d'avoir Colo Colo, ça serait très très beau. On n'a pas grand chose à perdre en même temps, aller le chercher. Il nous faudrait un joueur qui vaille 2 millions. Ça vaut. Oui, mais bon, c'est pas très très coutu. On avait le jeune Fazzini, Jacopo Fazzini. Vous en avez parlé, lui il est dans nos prix, mais c'est très très faible. Colo, ça peut servir tout de suite. Ah, peut-être ici. À mon avis, c'est lui. Mais bon, c'est très offensif, c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand même. Il est offensif, AT, c'est pas vraiment, vraiment ce qu'on recherche. Après, Dagerstal, il peut au pire, mais. On avait un défenseur qui pouvait jouer milieu défensif, c'était lui. À 2 millions 4. Je vais tenter le Colo Colo, je vais y aller comme ça un peu au pif. On va aller voir les mecs de. La Scoli, on va leur demander. Un prêt avec option d'achat, ça peut être pas mal ça. Un prêt avec option d'achat, je suis pas sûr qu'on puisse mettre un joueur dans le deal. On va d'abord essayer de l'acheter. Allez, on le tente, messieurs, soyons fous. On va voir ce qu'il nous propose. Il y a peut-être moyen de faire un coup si on a un mec dont on est prêt à se séparer. En termes de gardien, ok. En termes derrière latéraux, voilà. Ça on garde, on en a pas beaucoup. Arrière centraux, voilà quoi il peut nous servir. Thiago Ferreira, 1,6 million avec une grosse négociation. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut y arriver? C'est compliqué quand même. Il y a presque 1 million dans le million de delta là quand même. 1,6 million en attaquant. On laisserait partir personne. Si on pouvait mettre plusieurs joueurs dans le deal, je leur laisserais 3 joueurs là, je vous le dis. Ça on vient d'acheter. Et en milieu, on va pas être très riche. Malamo vaut 1,4. 1,4 million. Et on a dit combien pour Ferreira? 1,6. Bon, perdu pour perdu, je vais tenter plutôt Malamo. Un transfert. On met combien? On met 3 millions, ça fait 4 millions 4, on est au prix. Si on met 2 millions 5, ça me paraît quand même pas mal. Hein. Oh! Direct! Mais c'est un truc de fou! Mais on aurait pu. Oh là là, à chaque fois je me fais avoir. Attention messieurs, gros coup. Vous savez, ici, le but c'est de mettre en avant le foot italien et les joueurs italiens. Michele Colo, que je vous en ai parlé. Lui, il aurait mérité d'aller jouer un petit peu en U23, etc. Bon, il monte en pression tout doucement. C'est un peu comme un Di Lorenzo. Hein. C'est des joueurs qui se font connaître avec le temps. 23 ans, il reste très jeune. 72 de général. Là, clairement, belle option pour nous parce que je peux lui donner beaucoup de temps de jeu. Je peux clairement en faire un titulaire à la place étant italien. Un titulaire à la place de Jonah. En tout cas, une belle rotation avec Jonah à venir. Ça, c'est vraiment pas mal. 23 ans, on te propose la rotation. Je pense que ça devrait te plaire. Ah, il va important. Il sait ce qu'il vaut. Ok, je comprends. Dans ce cas, tu nous signes un contrat de 5 ans.
Pause vibration, on n'en veut pas, non, c'est pas de notion. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Bonne proposition. Modifier la prime, 15 titularisations, 35 000. Tu t'emballes un petit peu comme les cadeaux à Noël. On veut bien te faire 10 000 parce que 15 titularisations, pardon, ça serait quand même assez beau. On va te donner un salaire parce que Maïlo, je pense qu'il gagnait plus que toi. Donc on va te donner un salaire. On va te donner un salaire supérieur à ce que tu avais à ce colis. Je vais même monter à 4005 pour être sûr que tu me lâches la grappe. Par contre, là, tu prends juste 2000 euros à la signature. Je pense que je te mets de bonne humeur quand même. C'est pas vraiment ce que t'espérais, mec. Quand même, quoi. Allez, on va te faire courir un peu. Il faut que je trouve un prénom. Comment on l'appelle, la demoiselle, là? Notre coach sportive du téléachat, là. Comment on va l'appeler, là? Je reviens de te voir, il lui a dit au jeune. Oh, je suis content, messieurs. Doublement content, et vous le savez. D'une part, parce qu'on prend une recrue, on remplace Maiello qui avait 70 et Malamo... qui avait peine à arriver à 68, je crois. On les remplace par un joueur qui a 72. De plus, il est italien. Donc tout ça est très très bon. On va dire que mon seul point négatif, en plus on le prend un adversaire direct. Bon, pas tout à fait direct, mais un adversaire quand même. Le seul point négatif, c'est qu'on a un joueur de moins dans l'effectif au total. Donc ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu le moins bon. Mais quand même, c'est... Ben ouais, effectivement, on aurait pu mieux négocier, je comprends, ouais. Pourquoi ils me le mettent défenseur central? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils boivent des produits qu'ils n'auraient pas le droit de boire, ou il y a un truc là, non? Finance, ok, bon là c'est, la saison elle est finie. Accueil équipe, il est où là? Il est où notre nouveau là? Colo Colo Michele, on va l'appeler Michele. Alors ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait filer comme numéro qui a un peu plus de gueule quand même? Parce que là, 4. 4, ça a de la gueule, hein. Pour un bon milieu défensif, ça a de la gueule. Lagerstal, Gonzalez, Antenucci, ouais, tout ça c'est pris, et bien pris, comme dirait l'autre. Tess. Le 4, tu vas prendre le 4, mec, on va te faire confiance, je te le dis, on va te faire confiance. Du coup, on a c'est bien, on a doublé le poste. Très très bon, on va te faire un petit plan de développement maison. Alors, te faire changer de poste, je vais pas le jouer. D'appui récupérateur mieux défensif, ouais, c'est ça que je veux. Déjà chaud, mais c'est pas grave. On va continuer. Je veux un bon rempart devant ma défense. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Alors attends, on va aller faire défiler ici plutôt. Ah, ben c'est bon, lui il est passé. On a voulu qu'il passe défenseur central. Il est déjà passé défenseur central, parfait. On va trop faire changer de poste. Tu vas être content du voyage, tu vas voir. Mieux défensif, 2 semaines. Là maintenant il va reprendre des passes. Ça progresse bien, qu'est-ce que je te dise? Allez, c'est dit, c'est vendu. Et il en est où notre Jamas là? Parce que lui normalement on l'avait mis en 7 semaines, défenseur droit. Ouais, défenseur latéral droit, 17 semaines. Ok, pas pris le bon chemin, mais bon, c'est pas grave. Ça prendra un petit peu du temps pour Jamas, de toute façon c'était pas la P1. Écoutez messieurs, qu'est-ce qu'il nous disait là? Il y avait un truc là, plan terminé, Neves. Regardez un peu ce qui se passe sur cet écran là. Ailier gauche, 70 de général. Lui c'est peut devenir vraiment, 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 vraiment spécial. Ailier inversé, mauvais pied, ça va devenir fou furieux lui. Il est inversé, il va prendre une frappe monstre. La saison prochaine, on va avoir du flou, ça va être le coup de pouce financier la saison prochaine. Ça va être complètement dingue, messieurs. Complètement dingue. Alors, on en était là. La citadelle. Le classement. Je crois que c'est fond de tableau, fond de cuve. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Ok, avant-dernier, dernier ex-aequo. Félicitations, messieurs. Rod tous hérissés. Se mettre à l'abri, peut-être passer devant le Genoa et accrocher une quatrième place. L'épisode, on peut quand même le rattraper. Là, on a une défaite un petit peu énervante. Je vous cache pas que je vais vous laisser les clés du chat. Hein. Pourquoi je dis catch? Ça, c'est Erwan, ça. Il jouait où, Colo Colo? Il était à... Ah. Tu me poses la colle, hein. Je vais te le dire de suite. Hein. Il était à...
Pas Cosenza, c'était Ascoli. Ascoli. Colo Colo, Michele. Conférence d'avant match, oui, parce que là il y a des choses à faire. T'as d'ailleurs des équipes à préparer là, je pense. Je pense qu'il y a des équipes à préparer. Alors, Ibarri paraît moins faible. Ouais, écoute, juste être un peu plus concentré, parce qu'on nous fait pas de cadeau du tout. La fois vous avez passé 3 buts, hein. Écoute, on peut le faire. Et là, on a un nouveau joueur, et je peux vous garantir qu'on va les traîner dans ce match, il n'y a pas de problème. Et sur une bonne dynamique, alors c'est plus toute l'équipe doit pousser ensemble que dire qu'on est sur une bonne dynamique. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on sort vraiment la tête de l'eau, on se la fait remettre dedans. Donc j'attendrai mieux, je pense pas que... Enfin, je pense pas. C'est pas impossible que sur la fin de saison, on pète tout. C'est pas du tout impossible que les mecs ils se mettent en colère et qu'on pète tout. Alors, on va régler un peu ce banc, parce que là, ça devient un peu la foire d'empoigne. Oula, Colo Colo, il est crevé. Il nous file un joueur, il est sur cale. On prend en compte. Galano, ça serait plutôt Canjiano ici, je crois. Mais Neves Diamas, ça va ressembler à ça. Là, on a Tamas Chedira. Ok, Galano, il faut que ça parte. Guigotti. J'aurais tendance à mettre plus Guigliotti. Neves, vraiment, c'est parce que c'est des faux joueurs et que j'ai pas envie. Parce que Neves, il mériterait. Après, de toute façon, on peut mettre Guigliotti. De toute façon, il faudra toujours un jeune. Pourquoi je veux faire ça? Parce que Dagerstal peut rentrer en 6. Mais en même temps, plus vraiment. Parce que à 72, Colo-Colo, il va rentrer en 6. Donc, non, c'est pas vraiment intéressant. Vaut mieux laisser une place pour un petit jeune. Alors lui, on l'a fait passer à défenseur central actuellement. Après, il va passer milieu défensif. Diamas, milieu gauche, en train de faire passer défenseur droit. Pour vite, Diamas, mais bon. Et dans un premier temps, on va mettre Polycarpou. On va le mettre là. Et puis on verra ce que ça donne par la suite. Treza, super sub. Bon, on va voir le prochain match. On va pas se lancer dans la compo du prochain match ici. Tu vas arrêter le live vers quand? Écoute, je fais ce match et j'arrête. Ce sera le dernier match de la soirée, messieurs, parce que dimanche dernier, j'ai vraiment abusé. Bon, je m'étais fait plaisir, j'étais en forme. Là, ça va s'arrêter là. Match à jouer. Allez, un match à gagner. Ah oui, ils avaient des très beaux maillots, je m'en rappelle. Des très très jolis maillots. Alors, qu'est-ce qui nous avait servi, qui ne pourrait plus nous faire mal? Bah non, ils font pas arriver plus que ça. Est-ce qu'on jouerait pas avec notre 4-3-3 mais avec un vrai 6? Ça ressemble un petit peu à ce qu'ils ont si on joue comme ça. Sinon c'est le 4-2-4. Hein. On a 3-5-2 des familles. 5-2 des familles, on peut faire jouer Guigliotti. C'est peut-être le match où il faut le faire, ça. Avec Treza côté gauche. Surprise du chef. Allez, il faut surprendre. On va les surprendre. Pour les petites équipes, on avait prévu ce 3-5-2. C'est le moment d'y aller. Là, du coup, il n'y a rien qui est bon. C'est pas grave. Colo Colo, il est archi sec. Archi du sèche. Il est défensif gauche. Ça te plaît? Ça plaira pas à ton subalterne là. C'est pas grave. Alors Colo Colo, on va le mettre dans le taf. Fuentes, on va le laisser au repos. On va mettre Canjiano. Devant, on aura Chidira Tanase. J'ai envie. Oh, Vega, il a 80, les gars. On va faire un Tanase Vega, mais vraiment pour le délire. Schedler, Chidira sur le banc, ça ira très bien. Canjiano, pourquoi pas. Puccino peut jouer côté droit, on peut remplacer Ashoka, ça fonctionne. Là, dans la défense à 3, on va mettre... Et si Dagerstal, on le mettait là. Dagerstal, il est super bon en 6, mais là, il a pas envie. On va mettre Guigliotti, on fera rentrer Dagerstal sous 7 s'il faut. Pas mal. Là, c'est une compo qui me plaît. Ça, c'est une compo surprise. Il risque de pas le voir arriver. Antenucci, bon... Ça se gâte pour lui quand même, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce qu'on se prend des options côté gauche? Lui peut jouer milieu gauche, il a 59.
ce serait plus que Canjiano. Allez, on va tenter. Alors on a pas mal de jeunes, hein. Alors Colo Colo, certes jeune, mais lui, il pourrait prendre une bonne place. Jamas pour faire entrer sur le flanc gauche, Zuzetch en défense centrale, ça serait beau. Tout ça, c'est si on leur rentre dans le l'arc comme il faut. Hein. Avec ce 3-5-2, largeur, on va écarter un petit peu, parce que là, sinon, je sens que ça va transpirer. 80, ok, construction lente, appel de balle. Ouais, le but, c'était de pas trop se livrer. Largeur 60, bon, on peut commencer comme ça. On peut commencer comme ça, on va y aller en conduite. La slow m'embête un petit peu, je vous le cache pas, mais je le sens. Je le sens comme ça. On va envoyer le lourd. 3-5-2. Allez, c'est bon, c'est validé, c'est entériné. On y va, on le tente. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bon, bah, à fond. Tout pour Barry. Ah, mais complètement, là. Complètement. Final. Dernier match de la soirée, messieurs. Ça va être un petit épisode encore, mais je pense que... Un bel épisode. Bien sûr, une victoire, ça serait vraiment important. On est en demi-teinte, je pense que la confiance elle est pas loin, mais c'est pas la confiance encore parce que dès qu'on sort la tête de l'eau, je le redis, mais on a un coup de moins bien quoi. Dim, je crois, je me rappelle que d'un but et c'était contre Flau. Je vous ai pas suivi les gars, vous êtes parti loin et vous êtes chaud. Bon, on est sur leur pelouse, on se prend encore la pluie, ça nous aide pas du tout ça dans notre jeu. Joueur à suivre, 80 général. La saison prochaine, ce qui m'embête, c'est sa clause de libération. Clause de libération à moins de 30 millions, je pense qu'on aurait pu faire plus. Bon, 30 millions pour le club, ça sera énorme. On aura le Neres aussi, on aura des mecs à vendre quand même. Allez, on est parti. Je me sens énervé là. Attention, de ne pas être trop énervé justement. Regardez-moi cette accélération qu'il a. Il a touché au bon moment, Ilieti. Allez, Treza. Allez, Treza. Ça, c'est bien fait. Avec Vega. Pff, Vega, il a le niveau au-dessus. Ah, j'ai pris trop le temps. Je voulais m'assurer que Treza, il est temps de revenir. Je voulais la faire sauter tranquillement. Ok, le scout. Et ouais, mais quand on bosse, c'est normal. Allez. Pota. Oh, c'est pas mal fait. Un peu trop à l'extérieur des 16, mais il y avait une belle patate. Vega le lobe peut-être. Elle est pas rentrée. Est-ce que t'es sûr qu'elle est pas rentrée là quand même? On leur a mis le feu, mais un point. J'ai subi, hein. même moi qui menais l'attaque, j'ai subi là, je vous le dis. C'est bien. C'est bien, Jonah. Jonah, tu vas avoir un peu de pression parce que Colo Colo, il est pas venu là pour, il est pas venu là pour être ici. Treza, ça vole bien. Treza, faut savoir quand même que c'est notre ailier, mais qui peut jouer défenseur latéral. Et ça, c'est vraiment important. Lo Celso casse tellement les lignes dans ma carrière avec Villarreal. Lo Celso, c'est un super joueur avec l'AS Rome. On était à deux doigts. Ils te font cette passe en fait, ils te la font systématiquement, ils y arrivent. Tu peux pas vraiment lutter contre cette passe. Ouais, ben là, ils peuvent la sortir la goal line technologie parce que ça s'est pas joué à beaucoup. Et vu la position du ballon, vu la position de la tête, hein, il a dû avoir chaud. Il a dû avoir très très chaud. Très 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 chaud. Allez, on va les presser là. On va pas les laisser jouer en deux temps tranquillement. Allez, Ashoka. Voilà. Vas-y, Mino. Allez, on monte dessus là. Tu peux jamais. Tu te jettes, t'es mort. Tu te jettes pas, t'es mort. Quoi que tu fasses, t'es mort. On essaye. Hein. C'est ça, tu fais 1m20 les bras levés. Et tu arrives à la récupérer. Ils sont pas bons. Pas bons sur leur corner parce que là, Ashoka, Treza, Tanazé, avec Bota. Oh, t'as du pied droit, attention à la vitesse de Vega qui peut armer et frapper et but. Et c'est ce qu'on voulait voir. Prendre l'avantage, prendre le match en main, c'est ce qu'on a besoin. Ça nous arrive pas assez souvent. Bon là, clairement, ils ont enchaîné les corners, ils se sont entassés dans notre moitié de terrain. Ils ont pas vu remonter
le ballon à la vitesse où ça a eu lieu, la passe est magnifique. On a clairement un Vega qui est au-dessus à 80 général, là il est en train de fusiller les défenses. Colo Colo, c'est mon nouveau joueur Flambax. Cet italien du de Cosenza. J'ai pas dit pas de bêtises. C'est pas Cosenza, je suis sûr que c'est pas Cosenza. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Mais qu'on vient d'acheter Michele Colo Colo. Et là il va jouer. Merci les gars, merci, merci, merci. Ici c'est Barry, même si c'est chez eux. Et donc voilà, donc là il remplace Malamo qui avait peine à monter avec un 71 de général ou 72. C'est un joueur italien, vous savez l'importance que ça a pour moi d'italianiser la chose. Tout que là on en a vendu des Italiens, pour le coup on n'a pas eu le choix hein, avec le budget qu'on avait. Attention, attention. Donc pareil, défenseurs ils veulent pas y aller, je fais tout pour les faire courir vers mes cages, il n'y a personne qui veut bouger. Là, t'as pas le temps de souffler, t'as pas le temps de dire ouf. C'est Ascoli, merci beaucoup Footix. Merci, merci, merci. On l'a pris Ascoli. Flambax. Le mec, Mac 10 dans la défense. Ok, 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 ok. Bah écoutez, je pense qu'on est encore parti pour un sacré score parce qu'on va pas se laisser faire. Allez, Gigliotti, on continue sur ce côté là. Ça passe pas mal. César. Vega. Tanazé, il attendait Botta qui arrivait en grande enjambée. Ashoka, il vient de se faire casser les reins sur cette passe. Pas osé, t'as pas osé, mais faut y aller, faut. Hop 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 hop. Mais oui, pousse-le. Pousse-le, mais bien sûr. Contrer. Pas grave. Allez Tanazé, on refait la même. Fais courir Vega, fais courir Vega. Il a de quoi les tuer tous. Ouais ouais, mais là la passe elle était un peu mal faite quand même Vega. Elle était un peu pour pas dire, était vraiment vraiment mal foutue. Ta passe elle était bien pourrie. Plan un chat. J'essaye de presser mais dans ce jeu c'est interdit en fait. Ce jeu c'est court vers tes cages quand tu dois défendre. Regarde-moi ça. Po, y a tout qui rentre. Il y a tout qui rentre, les gardiens ils sont à 100, ils sont à 100 les gars. Le garçon il te marque un but masterclass. Et ils reviennent alors qu'on avait pris l'avantage sur leur pelouse. Mon dieu que c'est dur le ballon. Ashoka et Treza, des craquins, ils proposent des choses vraiment pas mal là, complètement. C'est deux joueurs que je conseille mille fois. Et le mec il te fait une frappe. Le défenseur là où il est, je sais pas. Si je tacle, je pense que je prends un carton. Là on était bien. Alors qu'est-ce que je préfère au final? Me prendre le premier pion et gagner ou marquer le premier et me prendre une rouste? Parce que là on prend la route. Écoute, hein. Ça m'attaque pas plus que ça. On avance, on progresse. Hein. Allez. Passe l'eau. Tu le sais qu'on va chercher Treza, tu le sais. Oh Treza, ce qu'il a réussi. Prends ton temps mon petit. Et le service il est bon. C'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui. Attends, il a mis 2 heures à signaler le point de pénalty. Il y a péno ou quoi? On comprend plus rien. Alors, impose-toi à l'arbitre, sérieux. Impose-toi à l'arbitre là. 6 mètres, ok, d'accord. Courez vers vos cages, les gars, c'est tout ce qu'il y a à faire. Courez vers vos cages. De toute façon. Regardez-moi ça. Regardez, 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 il ne court pas. Il ne court pas, mes défenseurs, ils sont arrêtés. Oh, que ça rend fou, mais que ça rend fou. Oh là 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 là. Je vous garantis qu'en défense, je serre tellement les fesses que je pince le cuir de la chaise. Hein. Allez, 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 Tanazé peut-être. Qu'est-ce que t'as fait? Faut taper comme ça vient, mon grand. Faut taper comme ça vient. C'est pas le moment, là. Il va pas être content, Massimiliano, là, les gars. Là, ça va charcler, là, ça va prendre. Là. Il part pas, il part pas. Il patine. Botta. Tanazé. Tanazé. Hop, 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 c'est pas bon. Je sais pas où il voulait aller là. Il avait vu quelque chose à mon avis. Quelque chose qui lui plaisait là. Treza. Oh, ça s'était bien fait encore, t'es. On n'a pas le droit à l'erreur, mais vraiment pas, c'est pas loin de faire ça. Pouh, les deux pieds décollés, c'est bon, il a pris le ballon. Allez. Oh, la passe, elle était ingénieuse. Elle n'est pas du tout allée là où on voulait, mais elle était ingénieuse.
Allez Jonah, allez Jonah, allez mon petit. Tu l'as vu? Pff, ils l'ont bien fermé, ils l'ont bien fermé. Il fallait bien fermer, ils l'ont bien fermé. Faut dire ce qui est. Là, c'est réussi. La passe parfaite. Allez, là, il va... Pff, Lang avec Vicari. Bota. Bota avec Tanase. Tanase peut-être. Ouh, il n'y a rien là. Merci monsieur l'arbitre de vous réveiller quand même. Bota pied gauche ou pas? Je vous ai laissé les clés du chat les gars parce que je suis en apnée là. Je suis deg, je viens de perdre l'Europa League avec Benfica. Ouais bah écoute Lambax, je sais pas. Je le trouve vraiment génial le jeu, mais il y a des fois il te rend fou. Le gaucher. Ouais mais tu peux te mettre sous le mur, hein. Tu peux faire ce que tu veux. On va le taper de façon par-dessus, on va taper un peu fort, tant pis. On va bien voir. On ne rappelle jamais trop s'il a beaucoup d'effets ou pas. Allez mon petit bonhomme, essaye de nous faire quelque chose de bien. Oh le coup franc direct, je vous le sers messieurs. Je vous le sers messieurs. Je vous le sers le coup franc direct de Bota. Oh que je suis content de vous servir ça. Oh que je suis content de vous servir ça messieurs. Oh il est bien enroulé, il est bien tapé. Là je voulais vraiment l'enrouler, il a mis l'effet. Il a mis tout l'effet qu'il fallait. À 23 mètres. Le mur saute, il est en bout d'extension, il est surplacé, on a défoncé l'araignée Gypsy. Sublime. Sublime coup franc direct de Bota, le premier en carrière manager en live, je crois, ou pas loin, j'ai un doute quand même. Hop, 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 hop. Et la Roma qui gagne 3-1, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait pour la Roma, faut se le dire. Messieurs, juste avant la mi-temps, on leur fait très très mal sur ce coup de pied arrêté. Et je justifie quand même à me le dire, Juan, mes tutos. Bon ben voilà messieurs, hein, là je crois que on est pas mal, on aurait pu faire beaucoup mieux mais bon, là le coup franc fait vraiment du bien au moral, je pense que la formation elle correspond, après derrière je sais pas trop pourquoi on est en subition comme ça, on va voir. On va essayer d'enfoncer le clou tout de suite dans cette deuxième période. Moi, en tout cas, je fais pas de changement, ni tactique, ni en termes d'effectifs. Voilà, fait travailler, c'est bien. Allez, Jonah. Et là, vas-y. Oui, c'est bon, ça. Tanase qui a pris le temps. Il a pas eu assez de puissance. Il a pris le temps de se mettre bien. Bota qui va gêner. On a gêné la relance, mais après, bon. Le problème c'est pas tellement la construction de loin, c'est voilà c'est ça en fait. C'est quand ils vont avoir le ballon là qu'ils vont se mettre. Ils vont se transformer. Comme ici. C'est lui qui nous a mis une frappe tout à l'heure, la venue de la lune. On les gêne. Regardez le roulette, vas-y, je te fais café crème le truc, bim bam boum, regardez ça. Tu veux faire quoi? Mais tu veux faire quoi? Ça se transforme d'un coup, c'est Barcelone, d'un coup. Hop là, la Juve, la grande époque. Ah non, mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant quand même. Expliquez-moi, messieurs. Oh, le ciseau, quoi. Le mec placé au quart de poil, quoi. 3-2. Aucun cadeau ne sera fait. Les scores de handball, ça continue. C'est pas ce que je préfère, messieurs, vous le savez, mais là, ça ne dépend pas de moi. Et ouais, on essaye de passer en force. Là, j'avoue que là, je vais commencer à me précipiter parce qu'il y a un petit peu de colère. Là, je suis en train de jeter toutes mes forces devant, donc on va le regretter tout de suite. Allez. Ils me mettent tout le monde dans le vent, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Là, ça m'a gonflé. Là, ça m'a vraiment gonflé. Alors là... Hop. Je déteste ce que je vais faire. Mais bon, là, vraiment, les mecs, ils cherchent. Là, en fait, on va finir avec des scores de rugby. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là... Là, ça me gonfle au plus haut point. Avec son moins 3 la slow il me gonfle. On va faire entrer Colo même s'il est cuit. Vega, je t'avais pas changé pensant que ça allait passer, ça passe pas du tout. Donc attaque en gauche, il veut pas. BU, t'as plus envie de jouer au ballon quoi.
explique-moi là. Avant gauche. Oh là là, Terrine qui l'a lui aussi des fois. Position axiale, équilibrée, dans le dos de la défense. Interception agressive. Reste normal. Soutien de base. Tanazé. Restez devant. Là, c'est quand même complètement fou ce qu'on se prend quoi. Là les mecs ils montent d'un coup d'un niveau mais. Allez vas-y mais c'est bon, j'ai pas envie de voir ton but. Il est exagéré là. Regardez-moi ça. Hop 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 hop. 4-2. On prend feu. Colo Colo pour son premier match, on lui fait pas un cadeau. Allez on peut le faire, j'en suis sûr. Sans. Faut tacler, faut charcler. C'est pas grave, c'est pas grave. Rentre lui dans le but. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est intéressant. Tu t'approches d'eux, ils te sentent. C'est. Regarde ça, mais regarde ça. C'est hallucinant. Hallucinant ce qui se passe. Ah mais block ball, le problème c'est que je recule important, mais le problème c'est plus tu recules plus ils t'en mettent donc avant faut essayer de pas perdre le ballon déjà, ça serait un peu la première des choses. Allez va chercher Bonheur. Allez Ashoka. Allez Bota. Allez les gars, il y a moyen de faire quelque chose là, tu l'as vu. C'est un peu fort, c'est dommage. C'est pas mal fait. Et le pivot de Vega, va chercher le ballon. Vega encore, qui nous remet, qui nous redonne vie, qui nous redonne espoir. Ça fait peur. Ça fait peur. Les scores. J'y peux rien, messieurs. Je n'y peux rien. Je m'en excuse, mais je n'y peux rien. La Nazi, je le sens mou. On n'est pas assez énervé. Tactiquement, on va y aller plein pot. On va y aller plein pot. Il est temps que ça cesse. Hein. Les défenses et des passoires. Regardez aussi. Je vais regarder les sliders. Peut-être des sliders que j'ai jamais touché qu'il faudra toucher. Je sais pas. Allez, Mattioli qui fait une erreur. C'est l'heure de jeu. On peut largement revenir. Nickel et Colo Colo qui touche ses premiers ballons. Ah, il est cuit, il est fatigué, mais on voulait le faire jouer. Il fallait le faire jouer. Tanazé, il est dos au jeu. À chercher sur le côté. Comme ça vient, Ashoka. Il n'y a pas de faute, bien sûr. Là, ça bagarre. Bota. Allez, le pivot encore. Le pivot. Vega. Vega, on le sent. 80, c'est inespéré dans notre équipe. Là, ça va charcler. Là, je peux vous garantir que la musique est bonne. Là, la musique est bonne. Là, ça donne. Là. Allez, Jonah, fais l'effort. Allez, Jonah. Oh, si t'es pas hors jeu, mon petit poulain. Ils sont en Transylvanie, là. Bien sûr, ils vont pas donner le joueur le plus adapté là. Ashoka, nul. Ton idée est nulle. Allez, belle. Ashoka peut-être. Et. Pouh, il s'en fallait de peu que Vega y mette le triplé. El tripletto. Ça aurait été beau. On est 16 sur lui, mais rien n'y fera. 74e, ça va charcler. Ça va descendre, je vous le dis. Là, ça va, la poésie, on l'a laissé au vestiaire. Ah oui, mais là, il y a l'engagement. Tanazé, il a vu là-bas. On va chercher Treza. Treza, il est chaud. Allez, tu l'as étiré la défense. Vas-y, tu l'as vu au point de pénalty. Et c'est qui? La nouvelle recrue, Michele Colo Colo, qui vient nous remettre à égalité. Énorme. Premier match, il est crevé, il marque. Attention, messieurs, peut-être le futur titulaire à la place de Jonin. Oh, ça, c'est énorme. Ah, il est monté, il est resté au niveau du point de pénalty. Il a dit sur un malentendu. Peut-être ça peut le faire. Ouh là là, Vega, il a pris un pet. Ouh là là là. Par contre, Colo Colo, il est rentré, il finira pas. Là, il y a Mobo, là. Là, il y a Allo Maman Bobo. Qu'est-ce qu'on fait avec Vega, là?
Il a pris un gros pet ou pas là? Ça, c'est un peu embêtant qu'un mec à 80. Ouh là là, il se tient la cuisse. Je l'ai vu. Shedira, viens vite, mon petit. Shedira. Puccino. Rentre. Pourquoi? C'est point d'exclamation, ça me fatigue. Daggerstall. Guillotier n'est pas trop fatigué, c'est peut-être pas le moment. On va essayer de remonter avec ce qu'on a, parce que là on n'est pas loin de faire l'exploit. Là, la remontada, on passe de 4-2, sur bien 5-4. Bon, les scores, les gars, j'y peux rien. Après, c'est les choses qui arrivent. Je trouve que j'arrive à contenir un peu par rapport à ce que le jeu voudrait quand même. Mais c'est vrai que là, dans ce jeu, entre les gardiens qui sont des pipes et les défenses, je pense que les défenses, faut que je regarde les sliders encore et tout, quelque chose. C'est pas vraiment le football que je veux montrer ici. Allez. Et oui. Et c'est fait. La remontada, la passe décisive de Shedira qui vient d'entrer pour Tanase. 5-4. Match totalement fou. Toujours tombé sur moi, Fraser, mais pas trop fort. Oh là là. Quel match complètement fou. Dire qu'on a marqué le premier but, maintenant on est à 5-4. Je suis pas contre leur en mettre encore un. 82e, je vais prendre des risques. Vous savez quoi, j'en suis à un point où j'ai envie de prendre des risques, pour vous dire. On va faire sortir Lang. On va faire rentrer Daggerstall. On va faire sortir Guillotti. On va faire rentrer Zuzec. Et là, c'est gros risque. Et on va faire sortir... Alors attends, parce que Colo. Et on va faire rentrer Puccino. Il va bouder, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Tactique, on se calme un peu. Allez, on y retourne, messieurs. On tente le tout pour le tout. On fait jouer les jeunes. On tombe toujours sur moi, mon Fraser. Bon, j'espère que la blessure de Végal va pas être trop lourde, parce qu'il se tenait la cuisse, je crains le pire. Mais vas-y! Vicari qui nous sauve. Attention, messieurs, je le sens arriver là. Je le sens arriver, je vous le dis. Là, ils nous ont servi la quenelle, elle est déjà dans l'assiette. Hein. Peut-on refuser le plat? Peut-on refuser le plat, messieurs? Et un péno, mais bien sûr! Mais bien évidemment, il nous fallait un pénalty à ce moment-là du match. Mais bien sûr! Mais bien évidemment! Je vous le dis, je vais partir pied fort. Ouais, mais où le mec il se jette? Bon, allez. Prochain coup, les arbitres, les gars, seront souples, je vous le dis. Ça sera fait. Ça sera fait et bien fait. Allez, va tirer sur mon côté gauche, je le sens. Allez, viens. Tu me fais pas peur. Tire plein centre, je t'ai dû de l'avoir. Mon dieu que ça m'énerve. Les gars, j'ai les glandes. Là, je peux vous dire, j'ai les glandes. Mon dieu, mais il pourrait tellement bien ce jeu. Il part tellement en sucette d'un coup. Il est pas fini. Vous regardez mon test de FIFA, les gars, tout est dit. Ce jeu n'est pas fini, en fait. Ce jeu, il a une maladie, il a un truc, là. Ouais, mais bien sûr, mais tamponne-moi. Allez, Tanase, faudrait y aller, Puccino. Montez, les gars, parce qu'en fait, je vous explique, on peut encore le marquer, le but qui va bien, là. Et oui, Treza. Y a pas péno, là. Non. Ah, ça va charcler, là. C'est un scandale. Encore un scandale, ce match. Eh oui, c'est tout ce qu'il voulait. Il voulait absolument pas. Il voulait un corner. Il voulait. C'est tout. C'est absolument tout. Il n'y avait pas plus. Pas plus de volonté que ça. On peut la jouer? Ah, on peut même pas la jouer. Alors là, je pouvais même pas la jouer. Là, c'est pas fini. Peut-être qu'ils me font une blague. Hein. Ouais, fait les coups du cerceau, des roulettes. On joue contre qui là, les gars? Ouais, c'est bon. Écœuré, messieurs, mais je vous laisse seul juge. Je vous laisse seul juge de ce que l'on voit à l'écran, messieurs. Là, je vous avoue que il y avait longtemps
ça m'avait pas dégoûté à ce point quand même. Je vais agir. Je vais réagir, messieurs. Une semaine de pause, je vous laisse là-dessus, je suis désolé. Je m'en excuse. Vraiment, 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 on a marqué un beau coup franc. Et là, c'est scandaleux de chez scandaleux. Écœuré. Je suis totalement écœuré. Non, je n'irai pas faire de conférence de presse. 6-5, déjà la taille du score me fatigue. Les buts que j'ai pris sont écœurants. J'ai pas de commentaires à faire, les gars. Je suis désolé, vraiment. Parce que c'est pas le foot que je voudrais vous montrer. Mais là, c'est difficile de jouer de façon réaliste. Là c'est vraiment. Plutôt le flipper, quoi. Donc. Je regarderai ça de plus près. Je suis vraiment, 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 vraiment écœuré, messieurs. Je vais vous laisser pendant une semaine. On va se quitter là-dessus. Je m'attendais pas à ça. Alors je regarde un petit peu les scores, 3-2, 2-3, là le 6-5 on oublie, hein. 4-2, ok, 4-5, 2-5, 2-2, 3-2, 2-0 contre Como, ça c'est une défaite, hein. C'est normal, ça passe bien, 3-3, 2-1, 2-2, 5-0, 1-0, il y a eu un match qui était correct contre Perugia, ouais mais 2-0, 5-0, 3-0, 2-1, 1-0. Au début c'était mieux. Non mais là la mise à jour, ce que je craignais, la mise à jour elle a pas fait de bien du tout. La mise à jour elle a fait du mal, messieurs, et c'est pas la première fois et ça sera certainement pas la dernière fois que les mises à jour viennent te saccager le jeu. Je vais mettre fin au sondage. Messieurs, je crois qu'on a passé les 1100 abonnés. Vous êtes quand même relativement d'accord sur le fait que les joueurs italiens se font un peu tailler quand même. Ok, ça me rassure. Faites une bonne semaine à tous, à ceux qui s'en vont là. Je vous souhaite une bonne semaine. Écoutez, moi je suis content dans l'absolu parce qu'il se passe plein de belles choses. Bon là ça nous remet voilà, on est limite mais bon, on est quand même dans les places pour les playoffs. Mais je suis content parce qu'il se passe des belles choses. J'ai pu recruter un joueur italien, c'était pas prévu. On a pris un peu d'avance, c'est très très bien. Mais par contre au classement, voilà, on en est au même point et on a perdu des points de façon pour moi totalement folle, quoi. On était sur une autre planète, on était sur autre chose. Tu jouais contre Brésil 2002, ouais, il y avait de ça. Il y avait un peu du Brésil 2002, c'est vrai, il y avait beaucoup de technique. Je sais pas, je m'en veux quelque part, je vois pas ce que j'aurais vraiment pu faire de mieux parce que je me jette pas. Mais bon, si tu recules trop, au bout d'un moment t'es dans les gradins, donc faut y aller quand même, quoi. Bon, écoutez, je vais regarder, je vais me poser tranquillement, essayer d'améliorer ça. Je pense que l'arbitre, je vais le baisser d'un cran. Et puis, voir un petit peu si on peut améliorer la défense avec les sliders. Améliorer ma défense, du coup, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimais pas faire. C'était touché de mon côté. Mais bon, à voir. On essaiera de faire pour le mieux. En tout cas, messieurs, cet épisode se termine, c'est presque 23h. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine, on va breaker un petit peu, ça vous laissera le temps de bien regarder les tutos, de bien regarder les car managers que vous avez en retard. Samedi, je vais tout faire pour vous ayez la vidéo, puisque je me suis engagé pour vous en ayez une tous les samedis. J'ai entendu ce que Sabri m'a dit, j'ai vu ce que vous faites, donc je vais essayer d'adapter un petit peu mon programme. Et merci, vraiment merci. Désolé de ne pas pouvoir vous livrer plus. Là, j'aurais vraiment aimé. Je sens qu'on est bien pourtant, on arriverait à faire des choses. Ce qui nous flingue, c'est vraiment les défenses. Est-ce que je vais arriver à les améliorer? En tout cas, si j'arrive, je vous tiendrai au courant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont amateurs des bons réglages, des bons paramétrages de slider. Bah, écoutez, si je trouve quelque chose, comptez sur moi pour vous le partager. Je vous remercie tous, jeunes cracks, anciens cracks, nouveaux arrivants qui regardaient de loin. Likez, partagez, abonnez-vous. Je sais pas ce que vous avez préparé pour moi, les gars, mais on est à 1100 abonnés. On a pris 100 abonnés en 15 jours. Je suis à genoux. Je vous en remercie très sincèrement. Une bonne semaine à vous, messieurs. Grazie mille a tutti. Arrivederci, ciao. E buona notte. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Erwan. Bonne nuit, Tupac. Bonne nuit, Ziad. Bonne nuit, Nada. Bonne nuit, Lutrox. Bonne nuit, Fraser. Bonne nuit, Dim. Bonne nuit, Scordafi. Bonne nuit, Flambax. Bonne nuit, H. Et je vais en oublier. Merci à tous, les gars. Allez, ciao, ciao. Bonne semaine.